Et je vais dire bonjour à toutes les villageoises. Ce truc-là va être extrêmement... Ce truc-là était une bonne idée sur le papier, c'était une mauvaise idée en vrai. Attendez. On se met dans l'ambiance. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Étant donné que ce sera probablement un des derniers lives qu'on risque d'avoir ce mois-ci. Une histoire compliquée, je vais avoir une personne à charge pendant un temps et du coup je vais pas pouvoir faire de live tant qu'elle est là. Là elle est en train de se faire faire des radios, genre c'est un truc assez compliqué quoi. Du coup bah, j'ai décidé de faire le premier d'une potentielle future longue série. Non, je veux quand même qu'on entende un peu Kéké. Par contre, est-ce qu'on entend toujours ma voix? Oui. Du coup je vais faire le premier d'une potentielle longue série parce que je me suis dit, oh, je vais juger tous les personnages d'Animal Crossing. L'idée était bien sur le papier. Sauf que j'ai pris le constat qu'il y avait 480 villageois, d'après plusieurs Wikipédia. Je ne suis toujours pas sûre de ce chiffre. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûre de ce chiffre actuellement. Mais du coup, je me suis dit, écoutez, on va faire un truc marrant. On va se marrer un petit peu. Je vais regarder et juger le plus vite possible en quelques mots tous les villageois, sachant que j'ai fait exprès, j'ai tout fait pour pas me faire spoiler, au point d'avoir des images dégueulasses d'ailleurs. Je ne connais pas tous les villageois, je ne les ai pas tous vus, d'ailleurs ce villageois-là, je ne l'ai jamais vu auparavant. Aussi, c'est où? C'est là. Voilà, ce personnage qui s'appelle Lulu. Donc, qui a un surnom très similaire au surnom que j'avais en primaire, je n'étais pas au courant qu'il existait. Enfin, elle, je suppose que c'est une fille. Ou bien non. Mais bref, on va avoir quelque chose comme 480 personnages. 480. J'arrive même pas à prononcer le chiffre tellement il est énorme. Je ne sais pas compter jusqu'à 6 après tout. On va juger tous ces villageois. Je ne vais pas les rank en mode tier list parce que ça ne rentrerait pas dans une tier list. Je ne connais pas tous les villageois. Il faut savoir que j'ai eu avant New Horizon, donc celui sur Switch, je n'ai eu que celui DS. Donc voilà, je suis assez peu renseignée sur les villageois qu'il y a eu entre. J'ai eu Pocket Camp. J'ai dû arrêter parce qu'il ne tourne plus sur mon téléphone. Suite à une mise à jour, ça ne marche plus. On ne sait pas pourquoi, personne ne sait. Bon ben voilà. Et je ne connais pas tous les villageois dans Animal Crossing. Sur DS, je m'en foutais royalement des villageois qui existaient, étant donné qu'à l'époque, j'avais pas forcément un accès illimité à Internet, contrairement à maintenant. Du coup, fallait vraiment que j'aille me casser le cul pour aller chercher quel villageois et tout. Non, c'est bon, tous les villageois me conviennent, frère. Sur ce, allons-y, allons-y. Je me suis peut-être attardé un peu trop longtemps sur l'introduction. Alors, Lulu, extrêmement banal. Je pense que le mot banal d'un Animal Crossing, c'est elle. Ouh! Ah! Ah! Ah, ça pique un peu! Ouh! Il est marrant en vrai. Bon, j'aime pas la couleur vert cacadois qu'il a sur la tronche. On dirait vraiment que quelqu'un, tu sais, arrivé a fait... Voilà, maintenant t'es moche. Mais ses yeux sont marrants en vrai. Ça va. C'est un hot dog. C'est la communauté trans. Ah! En vrai, j'adore Pietro. Pietro est genre à la fois terrifiant et à la fois adorable. C'est le truc d'Animal Crossing, tu vois. C'est vraiment Pietro, c'est le truc d'Animal Crossing. Et j'aime bien tous les personnages animiques, donc j'aime bien Pietro. C'est un clown et il est terriblement flippant en vrai. Nobio, il a l'air tellement blasé. Par contre, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il a ce magnifique
petit X sur la bite. Mais il est trop mignon. Ça pourrait tellement être un personnage de Mario 64. Ça pourrait être un... ça aurait pu être un des pingouins dans Mario 64, les gars. Vraiment, il a vraiment le look du pingouin Mario. Ce personnage-là, je sais pas si on peut le compter réellement. Je sais que c'est un personnage de Splatoon. Je crois que c'est... comment elle s'appelle ? Marie ? Marie ou Kali, en anglais ? Un des personnages de Splatoon, une des présentatrices du premier Splatoon. Je suppose que les gens l'aiment bien, du coup. Ça, c'est un koala. C'est un koala hawaïen. Il est choupi comme tout. Waouh. Dans la catégorie, on s'en bat les couilles du design. Ce personnage, il s'élève pas mal haut, quand même. Oh, punaise. Cette photo du non-respect. Ça, c'est vraiment un personnage que, genre, personne n'a vu. La preuve, c'est que quelqu'un a fait un screenshot de son téléphone et elle a découpé pour qu'on puisse voir ce personnage, pour que les gens soient au courant de son existence. Donc, pour l'unique fan de Megan, celle-ci est pour toi. Félicitations. Verdun. Je l'aime bien. J'aime bien, il est cool. Il peut venir chez moi quand il veut, en vrai. C'est un mouton bleu avec un t-shirt pastèque. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'aime beaucoup son design. Ça, c'est une biatch. Elle s'appelle Pécan, ça lui va terriblement bien. Elle est un peu genre... Mean girl, tu vois. Oh! C'est un robot? C'est un robot fourmilier? Ou alors c'est genre... C'est quoi cet énorme bouton, en fait? Je vois que ça, vraiment, je ne vois rien d'autre. Je ne vois que ça. Genre, mes yeux, ils ont fait... Lui, j'ai oublié son nom. C'est genre Croc ou un truc comme ça. Je l'avais sur Pocket Camp. Il s'appelle Boots en anglais, mais genre, il s'appelle autrement en français. Mais c'est vraiment un crocodile. J'aime bien les crocodiles. Voilà, ça, c'est l'autre personnage inspiré de Splatoon. Je crois qu'elles sont sœurs ou cousines, les deux. Bref, voilà, ce sont des écureuils, elles existent. C'est vrai qu'il n'y a pas de calamar dans ce... Il n'y a pas de calamar dans Animal Crossing, mais vous auriez pu au moins, je sais pas, mettre en octopus. Ce personnage a des yeux hyper expressifs, c'est probablement un des meilleurs moutons, c'est pas le meilleur mouton. Le meilleur mouton arrivera plus tard, mais c'est un des meilleurs moutons. Et il y a énormément de mèmes sur elle, c'est très très drôle. Ça, c'est vraiment un des meilleurs moutons aussi. C'est potentiellement la meilleure mouton. C'est un mouton gothique Lolita. C'est génial. L'idée, j'adore. J'aime beaucoup aussi comment ils ont fait les yeux. Si on me disait mon pote Castor ressemble à quelque chose, ce serait ça. Littéralement, si t'as un pote avec des grandes dents, je suppose que tu le représentes comme ça dans Animal Crossing. Je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas. Ce personnage me contredit mentalement. Il me contrarie un peu mentalement. Celui-là, genre, en même temps, je l'aime bien, c'est un écureuil, et en même temps, il est plat. Mais, genre, on dirait qu'il a pas d'âme, il est vide, en fait. Après, j'aurais toujours plus de respect par le fait qu'il s'appelle Nosegay. Né gay. Genre, né homosexuel. Donc j'aurais forcément plus de respect pour ça, du coup, je suppose que c'est un homme. Il est trop mignon. Kit, il s'appelle Kit. On dirait Cooker Bad Day, la Bad Fur Day. Cooker Bad Fur Days. On dirait le protagoniste de ce jeu 64 qui n'a jamais eu de remake. Non, non, il a jamais eu de remake. Ne me montrez pas des trucs de la Xbox, il a jamais eu de remake, ok. Bah, j'aime bien ce mouton. Genre, j'ai tendance à être sévère avec le mouton, parce que... Enfin, est-ce que je dois te dire des moutons? Parce que concrètement, c'est des boucs, quoi. Ils ont des cornes. Bref. Je tends à être sévère avec les moutons, parce que souvent ils cherchent pas des designs de fou du coup à cause de ces animaux-là, mais lui je l'aime bien. Il est bleu, il a un petit truc en laine, il a le visage rose, c'est un mouton et qui marche. C'est une bite. C'est une bite, c'est tout, je ne vois que ça. C'est un roux.
Je ne vois que ça. Je vois pas pourquoi elle est pas restée. Non, je le dis, je vois pas pourquoi elle est pas restée. Elle est méga stylée. Elle a vraiment un côté étoile. Elle est étoilée, sa fourrure a des étoiles. Elle a des étoiles dans les cheveux, elle a des étoiles sur son écharpe. Elle a tout, en fait, d'être tout le potentiel d'être un bon villageois. On dirait qu'un crapaud s'est déguisé en mouton. Bitch. Elle est en mode bitch à Madonna. J'adore son visage. Genre, j'aime pas les moutons, comme je vous ai dit. Je trouve qu'au niveau du design, ils sont pas cassés le cul. Mais là, elle est vraiment genre en mode bitch. Et là, t'as le contraire, on dirait qu'elle est traumatisée par un truc. Là aussi, j'ai encore des feelings mélangés. Genre, c'est un lion, plus ou moins, avec une robe chelou, un motif. Et je comprends qu'il soit pas resté. Le jaune. Je l'aime bien, elle est swaggée. Poppy, elle s'appelle Poppy. Poppy, la jeune femme célibataire. Voilà, je la dirais comme ça, Poppy, la jeune femme célibataire. Oh, dur. Oh, comment elle s'appelle? Dans Grise, il y avait des personnages secondaires qui ont des dents comme ça tout le temps. Je suis sûre qu'ils l'ont modélisé sur ce personnage de Grise. C'est obligé. Elle est sortie. Azel, elle s'appelle Azel. Azel, tu viens d'un film des années 70. Félicitations. Mais lui aussi. Il est vénère, il est comme ça. J'ai les sourcils froncés maintenant. Waouh. Ouf, waouh. Beaucoup trop de choses à dire là. Beaucoup trop de choses à dire entre le fandom Hello Kitty, parce qu'on voit clairement qu'elle est fan de Hello Kitty. Le fait qu'elle est blanc, ses yeux et son maquillage au niveau des lèvres, ou juste ces trois étranges boules dérangeantes. Je ne sais pas quoi ajouter finalement, je ne sais pas trop. C'est ta race. Il a pas de nez. Il a pas de nez. En vrai, je l'aime pas du tout. Mais je m'incline sur le concept d'avoir un personnage Rasta. C'est un mouton Rasta, l'idée est là. Mais je l'aime pas du tout. En fait, c'est l'absence de nez, ça me perturbe, je pense. Lui, je l'aime bien. Il s'appelle Philibert, en français. Je crois que c'est Philbert en anglais, donc c'est quasiment pareil. Il a cette gueule de premier de la classe. On l'a tous eu, hein. On l'a su. Le premier de la classe en primaire. Il a cette gueule de premier de la classe en primaire. Je l'aime bien. Statique, électro en français, j'aime bien ce personnage. Je l'ai sur mon île, sur New Horizon, pour les gens qui verront jouer peut-être tout à l'heure, quoi que ce soit. Voilà, Statique est sur mon île, je l'aime bien, c'est un personnage cool. Et je vois pas ce que je peux ajouter, réellement. Je veux dire, c'est vraiment un personnage cool. Si, je dois ajouter quelque chose. Le mélange de violet et de jaune, ça va très bien, surtout pour un personnage rocker. Genre, tu sens que c'était le vieux rocker des années 80 qui vivait à Berlin et tout, tu vois. Et qui maintenant s'est retranché sur une île pour aller vivre peinard. J'adore son design, c'est un truc de fou. Pourquoi il est pas resté, lui aussi? C'est un Aztec. Il s'appelle Quetzal, en plus. Le gars, c'est un putain d'Aztec qui a pas été colonisé, qui vit encore dans ses traditions et tout. Il a des marques sur le visage, il a le haut qui va avec. Il a même des marques sur son bec. Il est génial. Pourquoi ils l'ont pas gardé? C'est trop triste. Je suis triste. Bob, le classique. Bob, mon chat préféré. Hein. Je sais qu'il y a plein de chats, mais Bob, c'est vraiment mon chat préféré dans le sens où c'est... C'est un même cat, c'est vraiment un même. Genre, toutes les images de même cat peuvent s'appliquer à Bob. Bob, c'est le chat sur le piano, Bob, c'est tous les mêmes avec des chats, c'est Bob. Et en plus, c'est un villageois genre feignant, donc ça lui va super bien avec sa chemise hawaïenne. Aussi, je crois que Bob, genre, dans Pocket Camp, je l'ai pas dans les autres jeux. Mais je suis quasi sûre que Bob, il est genre cuisinier ou un truc comme ça.
Genre, ça lui irait super bien de cuisiner, je crois. Ben, on voit pourquoi il n'est pas resté. C'est un hippopotame. T'auras pas plus hippopotame que ça. C'est un hippopotame qui fait très hippopotame pour le coup. Blair. C'est vaguement un chipmunk. J'ai pas grand chose à dire, hein, mis à part que. En fait, si j'ai un truc à dire. Vous voyez les Sonic aussi? Genre Sonic Original Characters, qui sont pas du tout originaux pour le coup. Ça pourrait tellement être un personnage dans un truc Sonic. Merci pour le follow, Roi Luigi. Ça ne s'est pas affiché à l'écran, je viens de m'en rendre compte. Du coup, tu es le bêta-testeur, félicitations. Un instant, je vais mettre la boîte d'alerte. Oui. Bon, le prochain gars qui vient, voilà, il aura le petit truc. Je comprends pas pourquoi ça s'est pas affiché. Apparemment, je l'avais désactivé, je n'étais pas au courant. Je savoure ma grenadine. Comme dirait un immense philosophe nommé Pacific Sand 3003, je savoure ma grenadine avec sensualité. De toute façon, je suis obligée de voir. Il fait 40 degrés, vous n'êtes pas au courant d'à quel point il fait chaud. J'adore son design. On dirait un gâteau à la crème. On dirait comment ça s'appelle? Un bras de Vénus, voilà. On dirait un bras de Vénus si ça avait été un personnage d'Animal Crossing. Il est beaucoup trop mignon. Et il a un t-shirt kiwi, ce qui le rend encore plus mignon. Elle a failli venir sur mon île. Elle a failli venir sur mon île, mais en fait, comme vous le savez, quand vous faites venir quelqu'un, quand quelqu'un vient au camping, chez vous, genre, vous avez la possibilité de jouer à un jeu de cartes. Enfin, moi, j'ai joué le jeu de cartes et tout ça, tranquille. Je gagne. Et à l'époque, j'étais pas au courant. Et quand elle m'a fait, oui, je veux bien venir et tout, j'ai fait cool, je vais voir, elle va virer un villageois que j'aime pas. Et là, elle voulait virer une des villageoises préférées à moi et ma sœur, et on a fait non. Et du coup, elle est jamais venue sur l'île. Et on a essayé, on a redémarré le jeu, on a essayé, et elle disait toujours la même villageoise. Et on était en mode non, non, non. Ouf. J'aime pas ce personnage. Genre, je sais qu'elle est là depuis, genre, je sais pas, super longtemps. Et que, genre, elle est dans Pocket Camp et tout. Mais est-ce qu'on peut être honnête une minute et dire que c'est juste un écureuil rose? Oh, la bitch. Elle aussi, elle se prend pas pour de la merde. Oh, je l'aime bien en vrai. Regardez-la, elle a des putains de pommettes, elle a l'air trop blasée de la vie. Elle a une robe, elle est hideuse. On dirait, tu sais, vraiment la ménagère de plus de 50 ans. C'est la ménagère à la plus de 50 ans. Alors, elle, je crois qu'elle a été remplacée par un autre villageois hippopotame. Donc bon, ben voilà. C'est un écureuil blasé. C'est un écureuil fatigué, pour être exact. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je l'aime bien. Je l'aime bien, il est vraiment genre. C'est comme si un enfant avait dessiné un pingouin. Et qu'ils ont fait, mais c'est trop bien, faisons-en un design. Et vraiment, c'est la vision du pingouin fait par un enfant. Il est très très mignon, je l'aime beaucoup. C'est la version évoluée du l'aigle qu'on a vu tout à l'heure. Il est moins réussi que l'autre, mais j'aime beaucoup ses motifs. Il fait très Rio et tout ça. Il fait très carnaval. Il fait très sud-américain. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un ours suicidaire. C'est un ourson, il veut juste mourir. Elle, je l'aime bien. Elle, j'aime bien. Je l'avais sur Pocket Camp. Je dis je l'ai. J'ai toujours Pocket Camp, mais je peux pas le lancer, donc pas très utile. Mais j'aime beaucoup l'idée de son design qui est faisons un éléphant qui ressemble à une théière. Enfin, petite anecdote. Quand vous faites de l'animation 3D, sachez que la première chose qu'on a animée en animation 3D, c'était une théière. Et du coup, dans la plupart des logiciels, comme 3ds Max, Blender, etc., vous aurez la possibilité de fabriquer une théière directement. C'est un clin d'œil au premier objet modélisé en 3D qui était une théière.
et je suppose que c'est un clin d'œil à cette théière en question. Ah, c'est le petit intello de l'université qui, en plus, il est marxiste. C'est l'intello de l'université de sciences qui est marxiste et qui est en mode « Vous comprenez rien à la physique, les éléments. C'est pas comme ça que ça marche, la Terre n'est pas plate !» C'est ce type-là. Alors, Phébus, c'est un personnage très neutre. Il a rien d'exceptionnel, si ce n'est ses yeux. Il a l'air furax tout le temps. Il est tout le temps vénère. Et je l'ai sur mon île, figurez-vous. Je l'ai sur mon île. Il est resté un petit moment. En fait, il veut pas se barrer, je pense, parce que... Clairement, je pense que s'il proposait de se barrer, on dirait pas non, tu vois. Mais là, depuis tellement longtemps, c'est un vieux gronchon. C'est un vieux gronchon tout le temps vénère. Un vieux gronchon asiatique. Chez lui, c'est des voitures, c'est des machines technologiques et tout. Phébus, c'est un villageois dont je m'en foutrais en général, mais que... Vu qu'il est dans New Horizon et que je l'ai sur mon île, je l'aime bien. Voilà. C'était pas du tout bon comme explication. Oh, j'aime bien, on dirait un Hara. On dirait le personnage principal de Rio. J'ai sûr qu'ils l'ont modélisé avec cette idée en tête un petit peu. C'est un Hara bleu, c'est ça que ça s'appelle? Il est trop cool. Et lui, il est trop moche. C'est... Ava, la poule, je l'aime bien. J'aime bien l'idée qu'on ait un personnage qui soit vraiment juste une poule. Juste une mère poule. Comme l'expression mère poule, finalement. Ah, je le trouve trop swag. Ça, c'est un écureuil stylé. C'est... Tu sais, ta pote éloignée, genre ta pote avec qui t'as plus trop de contact, qui maintenant fait des arts contemporains. C'est genre la personne que tu retrouves en exposition d'art contemporain. C'est tellement ça. L'artiste contemporain, je l'imagine un peu comme ça. Et ben ça, c'est littéralement le pingouin dans Mario 64. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le pingouin dans Mario 64. Netflix qui me fait chier m'envoie un message. Oui, le film sur PNL est sorti. Je m'en bats les couilles, j'écoute pas PNL, putain. Ouf. Bah, en parlant de PNL, ça aussi c'est pas ouf, hein. Je comprends qu'il soit pas resté. Il est marrant. Genre, je le trouve marrant. Ce serait un mème. Ce serait genre juste. Personne le voudrait, en fait. Ce serait un de ces villageois mal aimés, tu vois. Pourquoi il est pas resté, lui? C'est un cochon pirate! J'adore, il a une moustache, la merveilleuse, un bandeau sur l'œil. Il est génial. C'est un pangolin. Elle est très mignonne. Mais je n'ai rien d'autre à ajouter. Ouf. Ouf. Je tiens juste à noter ça, voilà. Ça, c'est le signe que ce villageois ne vaut pas grand-chose et aurait fini dans le bottom tier de Animal Crossing, finalement. Lui, je l'aime bien. J'ai plus son nom en français, en anglais, c'est Tex. Mais lui, c'est vraiment... c'est un manchot ou un pingouin. Je crois que c'est plus un manchot. Il est très stylé, il est DJ dans la vie, il est hyper swagué, quoi. Et ça se voit que c'est un gros frimeur, c'est genre... Ouais, moi je suis DJ et tout. Tu fais DJ quoi? Je suis DJ en camping, mais ça compte pas vraiment. Je suis DJ, je suis trop cool là. C'est ce gars-là. Dans Agretsuko. C'est la secrétaire dans Agretsuko. Tellement. Je suis sûre qu'ils l'ont remodélisé pour faire un villageois plus stylé. Mais elle est swaggée, je l'aime bien. Je l'aurais pris sur mon île, quoi. On dirait trop que genre elle va te détruire. Un instant. Ok, j'ai compris Nintendo, j'ai compris. Il est charmant, il n'y a pas grand chose à dire. Il s'appelle aussi Lulu. En fait, il y avait plein de villageois qui s'appelaient Lulu à une époque et c'était en mode « Non les gars, faut supprimer des Lulu là, faut arrêter de déconner. » Sterling, c'est un chevalier. Alors, jugé par sa tunique, il est français. Parce que c'est juste qu'il pouvait pas mettre l'étoile de lys parce que c'est un symbole royaliste maintenant. Mais c'est un saint chevalier français. Je l'aime beaucoup trop, il est vraiment trop marrant. En plus, il est bleu, blanc, rouge. Hein. Vous noterez qu'il est bleu, blanc, rouge.
Non, non, ils ont vraiment fait un chevalier français, c'est tout. C'est un aviateur. Il est trop bien. Je le veux sur mon île, en fait. Il est beaucoup trop cool. Les pingouins ne peuvent pas voler. Mais lui, il s'en fout, c'est un aviateur. C'est un pingouin aviateur. On dirait, tu sais, quand tu fais semblant de sourire à quelqu'un pour lui faire comprendre que c'est un peu désespéré la situation, genre. C'est exactement ce qu'elle fait en fait. Elle est juste coincée avec ce visage-là. J'aime pas spécialement ce villageois, mais je le déteste pas pour autant. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment et je peux comprendre. Son design est réussi. Elle est pas ouf. Elle est pas ouf du tout. Lui, je l'aime bien. Lui, c'est le protagoniste du film Surf Up. Mais refait en villageois d'Animal Crossing, et je connais pas le nom de cette race de pingouins, mais je trouve ça super intéressant qu'ils aient fait ce type de pingouin qui est super obscur. Et on sait pourquoi elle a été supprimée. On dirait même pas un villageois, on dirait un jouet. On dirait un jouet en plastique. C'est pas un villageois, c'est un jouet en plastique en fait. C'est Sterling, mais en moins bien. Et sans idée. Elle devait être marrante à voir, Betty. Elle devait être marrante avec son sourcil comme ça. Son petit sourcil qui fait comme ça. J'aime bien, j'aime bien. C'est un kangourou. Vous avez très bien modélisé un kangourou. C'est très réussi comme kangourou. Lui, voilà, c'est un des villageois moutons dont le design je trouve réussi. Parce qu'il a la tête noire. Il est tout blanc, mais il a la tête noire. Et il a vraiment juste genre. Deux points, un sourire. C'est juste un smiley de téléphone. Il est réussi, il est réussi. Sais pas si vous entendez très bien la musique derrière. Je monte un peu le son de la musique, voilà. Carotte. Ben, elle ressemble vaguement à une carotte, mais j'avoue que j'ai du mal à me concentrer avec des narines aussi grosses. Flash, mais il est stylé. On dirait, tu sais, les gars, tu vois, qui sont comme ça et tout, qui font de la petite musique, qui chantent et tout. On dirait vraiment les chanteurs. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est terrible. Je sais plus comment s'appelle ce genre de chanteur des années 50 et 60. Genre 50 à 70 qui chantaient comme ça et tout. En groupe. Genre, ils pourraient être dans un groupe d'a cappella et tout. Genre, ils auraient pu tellement faire un lore et un truc intéressant de ce personnage. C'est tellement dommage qu'ils soient passés à la trappe. Marshall, design très réussi, a priori il est pâtissier. Et c'est un enfant avec un comportement smug, donc je dirais frimeur, swagué. Design très réussi, personnage extrêmement populaire dans l'univers d'Animal Crossing. Donc je vais pas rajouter des choses que des gens hurlent déjà sur tous les toits. En fait, j'aime bien ses motifs. Genre, il a vraiment toute une question de motif. Je trouve que c'est réussi, il fait vraiment très statue, etc. Mais c'est ses yeux. J'aime pas du tout les yeux. Garance en français, Célia en anglais, je l'ai sur mon île. C'est une daronne des années 50. C'est l'image de la femme mère de famille et tout ça, très maigre, très propre sur elle, avec la petite robe, qui fait des petits gâteaux et tout ça. J'adore ce personnage, elle est sur mon île. Elle va pas quitter mon île demain, de toute façon. Elle a sa place. Et elle est adorable. Genre, juste regardez. Elle a du vernis jusqu'au pied pour vous. Ok? Elle a du vernis jusqu'au pied pour vous. Merde. Misclic, j'ai fermé le truc de... Snooty. Je suppose que c'est un villageois arrogant ou un villageois Snooty. Et je suis content qu'elle ne soit pas sur mon île. Lui, j'aime bien, on dirait un Super Sentai. On dirait de ouf un Super Sentai, je l'aime bien. Pour une fois, on avait un crocodile féminin. Pour une fois, on avait un crocodile beaucoup trop féminin. Ce personnage aurait été super populaire de nos jours, il a été supprimé avant de devenir populaire. Moi, je vois très bien pourquoi il aurait été populaire. C'est un ours. Il est pas beau. Je sais pas si je l'aime ou si je le déteste. En fait, je suis très perdue. En fait, j'aime et je déteste ce carré-là. En fait, j'ai compris.
Vous vous souvenez de toute cette époque où il y avait une espèce de folie pour les animaux robots là? Je suppose qu'ils ont voulu représenter ça dans Animal Crossing. Vous savez, les animaux avec des écrans virtuels, genre des vieux écrans LED comme Tamagotchi. Et c'était des petits jouets animaux. J'en ai jamais eu de ma vie, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est iDog. À une époque, c'était iDog, un truc comme ça, qui était le gros truc de cette vente. Ils ont voulu représenter ça dans le jeu, je pense. Mais les jeux vidéo, c'est mieux que les jeux virtuels, que les animaux virtuels. J'ai dit n'importe quoi. Il est vénère. C'est tout ce que j'aurais à dire. On dirait que tu l'as tapé beaucoup trop de fois avec le filet, c'est tout en fait. Ah oui, j'en ai quelques-uns qui se répètent. Ah bah du coup ils ont remodélisé un kangourou qui ressemble vraiment à un kangourou, sauf que maintenant il dort pas assez. Maintenant il est insomniaque. Voilà, c'est tout. Je vois quel personnage l'a remplacé. Alors j'aime bien l'idée que ce soit un rhinocéros gâteau, mais c'est vrai que là l'idée était pas super bien exécutée étant donné qu'il est couleur jaune cacadois dégueu. C'est un kangourou ninja avec une moustache. J'aime bien. J'ai oublié son nom en français. Je l'avais pendant une période sur Pocket Camp en tout cas. Mais je l'aime bien, c'est un petit garçon sportif, c'est tout quoi. J'essaie d'imiter son visage. Alors, il s'appelle Coach et je vois tout à fait ce qu'il est. C'est vraiment ton coach de sport, ton prof de sport qui a 30 ans. C'est ça, c'est ton prof de sport qui a 30 ans, qui est genre enseignant au collège en sport et qui commence à avoir le crâne dégarni. Tu sais, il commence à devenir progressivement chauve. J'aime beaucoup ce personnage parce que Louis est un gros callback à Donkey Kong. C'est Donkey Kong, c'est Donkey Kong, c'est tout. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime les personnages à trucs comme ça. C'est... Je crois que c'est une geisha en vrai. Hein. Elle me donne des grosses vagues de geisha, donc j'aime bien. Alice, alors, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien. Je la trouve pas ouf. Mais lui, il est trop bien. Massa. C'est un chien hippie. J'aime trop. Lui, il aurait été sur mon île. Lui, il aurait été sur mon île, clairement. Lui, je l'aime bien. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas. Moi, je l'aime bien parce que... Je suis sûre que c'est genre ça. C'était un mercenaire. Il affrontait des gens. Ou il était dans un gang de rue. Un truc comme ça. Genre... ça a été un homme de main, quoi. À une époque, il s'est complètement fait détruire la tronche. Genre, il a une cicatrice là. Il a une blessure là. Et si on pouvait voir tout son modèle, on verrait des blessures partout ailleurs. Et genre maintenant, il se la coule d'eau sur une île, quoi. J'aime bien. Voilà. Goldie, un villageois que j'aime, une villageoise que j'aime particulièrement. Je trouve Goldie très cool, étant donné que vraiment, elle est dans... C'est Vera de Scooby-Doo. Velma en anglais, de Scooby-Doo, si vous préférez. C'est Vera de Scooby-Doo, c'est la nerd à lunettes qui lit que des bouquins tout le temps. Et genre, son truc à thème dans Pocket Camp, c'était une bibliothèque. Enfin, bus bibliothèque, je crois. Et c'est tout, ouais. C'est une meuf qui kiffe la littérature, c'est une nerd qui kiffe la littérature. Et elle a quelques potes dans la vie, voilà, qu'elle fréquente. Enfin, j'en vois trop comme ça, voilà. C'est un peu la pote de tout le monde et on l'aime bien. Et elle, c'est juste une grosse nerd, mais quand tu viens la chercher parce qu'elle est un peu introvertie, des fois elle s'ouvre à toi. C'est le tigre de Kedox, n'est-ce pas? C'est comme si un oiseau lui avait chié sur la tête, sauf que c'est un oiseau. C'est un hippopotame enfant, je suppose. Pas oufisant, hein. Ah, c'est un mariachi. Je veux dire, c'est un toréador, non. Les toréadors, Animal Crossing n'aurait pas représenté un type qui tue des taureaux étant donné qu'il y a des personnages taureaux dans le jeu, quoi. Mais c'est un mariachi, j'aime bien l'idée, mais je l'aurais pas dans mon visage parce qu'il est putain de moche. Elle est choupie. J'aime bien le fait qu'il lui ait mis cette couleur violette.
Tu vois, ça c'est un des nerds de l'université de Oxford. Mais voilà, je sais. Ce gars, c'est R slash nice guy. C'est R slash nice guy, c'est tout. Ben, je vois pourquoi elle est pas restée, hein. Le seul truc que je regardais, c'est cette fleur. Elle est très très jolie, cette fleur. Sinon, le villageois, tu peux le jeter à la poubelle. Attends que je devine. C'est une arrogante. Parce qu'elle a du maquillage. Je sais pas si elle est genre malicieuse ou si elle est juste arrogante ou si elle a juste comploté le meurtre d'un autre villageois en secret. J'aime bien Drago. Je crois qu'en français aussi c'est Draco, un truc comme ça, ou Drac. Je l'aime bien, c'est le seul villageois qui représente vraiment un dracon, une créature mythologique. Et même si je lui aurais pas mis les lèvres comme ça, là, les lèvres roses, je lui aurais peut-être pas mis, j'aime quand même beaucoup son design. Je l'aime bien. C'est un roi, c'est le roi de l'aigle, c'est le roi de l'aigle, c'est le roi que l'aigle défend. Je l'aime bien, il a l'air un peu vénère, mais c'est parce que c'est un dictateur, après tout, c'est un monarque. Donc voilà, il est vénère, c'est tout. En plus, regardez, il a une petite cicatrice. Comment on peut pas l'aimer? Ah! J'avais pas vu ça encore. Il y a des villageois qui ont des yeux verrons. Je l'aime juste pour ça. Alors, lui, je crois qu'il est apparu sur 3DS. C'est si tu scannes un amiibo Ganon, il apparaît. Et je trouve qu'il est réussi. Mais ça doit être très bizarre d'avoir Ganon, aka Maître des Ténèbres, aka Réincarnation du Mal, etc. sur ton île, sur Animal Crossing, quoi. Alors lui, je crois qu'il s'appelle Clay, j'ai oublié son nom en français. Mais j'aime bien l'idée. En fait, il est fait en argile, et c'est ça qui me plaît. Il est fait en argile, et c'est genre... Je sais pas si vous avez fait ça quand vous étiez petit, vous aviez genre de la pâte à modeler ou de l'argile. Et vous faisiez des petits animaux en argile, et en fait, il y en a un qui a pris vie, et il est devenu villageois d'Animal Crossing, c'est tout. Je trouve ça trop mignon. Alors, c'est une manderie. Je trouve que c'est une manderie très réussie. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une manderie d'Animal Crossing. Mais j'aime pas les manderies, parce que ce sont des connards de première en tant que singe. Alors, Flip, je ne l'aime pas, il n'est pas la bienvenue sur mon île, et même si l'idée c'est d'avoir un petit chimpanzé mignon, je ne l'aime pas, voilà. Alors, Ali, c'est genre la meuf qui a. J'aime bien son idée en fait, c'est la meuf qui a pas eu une apparence super avantageuse et super féminine en grandissant, mais qui a dit fuck that, je vais être super féminine quand même. Et elle est trop stylée, et j'adore son rouge à lèvres. Elle pète comme ça, tu vois. Et ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas d'idée quand on fait un gorille. Chuck, je l'avais sur mon île. Alors, il s'appelle Sly en anglais, c'est Chuck en français. Je l'avais sur mon île, on l'a eu pendant un long moment, en vrai. Il est trop mignon. En fait, c'est un crocodile camouflage. Donc déjà, il a un gros avantage, c'est que c'est juste un crocodile camouflage, il est génial. Mais ce qui nous a fait craquer avec ma sœur, c'est ses yeux. C'est le seul villageois qu'on avait vu avec ces yeux-là. Sur un crocodile, il a vraiment des yeux de reptile. Angus, alors, je l'avais sur Pocket Camp, je l'aime bien. Parce que tu sens que c'est un jeune métalleux. C'est tout, c'est un jeune métalleux, il est encore un peu débutant dans les pogos. Mais il est rock, quoi. Il est soigné, il joue dans un petit groupe de rock, il fait de la basse, tout, un truc comme ça, quoi. Bah, je vois pourquoi il est plus Joe. Lui, ça se voit que c'est un arrogant. J'aime pas les arrogants. Voilà, faut que je vous le dise tout de suite. Je l'aime bien. Après, bon, on aurait hurlé à l'appropriation culturelle sur ce personnage. Mais j'aime bien que ce soit une espèce d'Amérindien, quoi. Alors, Apple. Alors, je sais qu'il y a des gens qui la kiffent, qui trouvent qu'elle est trop cool. Mon nez me gratte. Je vais reformuler ma phrase. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment, qu'elle est trop cool, etc., qu'elle est assez recherchée. Je la trouve infecte, hideuse, horrible. On dirait quelqu'un qui a essayé de faire un dessin beaucoup trop kawaii, en fait.
Elle est russie. La petite maison dans la prairie, tout ça, orgueil et préjugés. Je la vois comme une femme de la Renaissance, vous voyez. Je vais vraiment me gratter le nez parce que j'en peux plus. Voilà ce qui se passe quand on est, quand le nez vous gratte. Vous n'arrivez même plus à vous concentrer sur ce que vous faites. Alors, il est moche. Il est vraiment moche. Mais j'aime l'idée que ce soit juste un surfeur swagué. Genre, c'est juste un surfeur genre mode cool, man, on va sur les flots et tout. Genre, c'est ton pote skater ou surfeur. C'est tout. J'arriverai pas à imiter ses yeux. Il est terrible. Je l'aime pas. Attendez que je devine. C'est une arrogante. Elle a du maquillage. J'aime bien Tucker. J'aime bien Tucker pour son style en fait. C'est vraiment. C'est un mammouth. Voilà. J'aime bien Tucker parce que c'est un mammouth. En plus, il a le petit t-shirt qui va bien avec. Par contre, je me pose une question. Étant donné qu'il y a un mammouth au musée dans New Horizon, qu'est-ce qui se passe si on met Tucker devant le mammouth? Est-ce que Tipu, quand il le voit, il fait genre... Il me semblait que les mammouths étaient éteints. Genre, qu'est-ce qui se passe, en fait, par contre, dans cette condition-là? Stitch, j'ai oublié son nom en français, putain. Stitch, j'aime beaucoup son idée. C'est l'un des seuls villageois dont le fait d'avoir un caractère design vraiment coloré fonctionne. Parce que c'est une peluche qui a été recousue. C'est une peluche qui a été cousue avec des briques et des brocs et du coup ça marche. Et là, on a l'opposé de Stitch, un personnage hideux. Oh mon dieu, par quoi je commence? Déjà, j'aime pas ses yeux. Ça se voit que c'est un arrogant. Ensuite, j'aime pas la couleur. Le jaune comme ça, ça pourrait être stylé, mais pas dans ces conditions et pas comment ils l'ont fait. Ensuite, cette coupe de cheveux et ce sourcil, non merci, on dirait un premier ministre en fait. On dirait un gars qui lèche des bottes à l'État. C'est ça, en fait, on dirait un gars qui bosse pour l'État. Cette chemise, pareil, elle est pas belle. Y a rien qui va, y a rien qui va, c'est tout. Déjà, on calme un peu le jeu, c'est pas un super personnage, mais elle est sympa. Mais j'aime bien, j'aime bien. En fait, le fait qu'il ait littéralement une corne en or, des pointes des oreilles en or, des bracelets et tout, pour moi, il fait très hip-hop. Genre, il était dans un gang de rue et maintenant, il s'est reconverti à la musique, tu vois. Genre, je suppose que les cornes en or, c'est les remplaçants des dents en or. Puis il a une petite cicatrice, c'est la preuve qu'il a vécu des trucs, quoi. J'aime bien Rocket. Je sais que Rocket est un énorme mème aussi auprès de la communauté. Parce que c'est un énorme gorille rose. Mais est-ce que c'est pas finalement l'un des villageois Super Sentai? Non, je vous le soulève parce que là on avait le Super Sentai bleu, là on a Super Sentai jaune. Donc on a le Power Ranger bleu, on a le Power Ranger rose. Non, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien l'idée que ce soit une Super Sentai rose, que ce soit justement la Power Ranger rose, et que ce soit un gorille. C'est pas facile de donner un genre féminin à des animaux comme des gorilles, quoi. Ace. J'aime bien en vrai son design, ça va. La petite particularité, c'est son t-shirt. J'aurais bien voulu qu'il soit disponible sur Animal Crossing, un t-shirt comme ça. Je sais pas s'il y a, hein, mais s'il y a un t-shirt As de Pique, dites-le moi, que j'aille en acheter. Goose, j'aime bien Goose. C'est un poulet, ou c'est une oie. Mais il a vraiment le look du beauf. C'est un beauf, j'aime bien, c'est un beauf, c'est tout. J'aime pas. Ben, je vois pourquoi. En fait, c'est un peu dommage. Non, autant pour moi, je refais ma phrase. C'est un peu dommage qu'il soit plus dans le jeu. Pourquoi il y a des Aou dans les chansons de Kéké? C'est une vraie question. Mais oui, du coup, Aziz. C'est dommage parce que du coup on avait un représentant indien dans le jeu, parce que clairement
ou une représentante indienne. Entre ça et les motifs de la robe, c'est l'Inde, voilà. Donc c'est dommage qu'on l'ait pas, parce que ça aurait été intéressant. Mais il est trop stylé. Mais j'adore. C'est vraiment genre un crocodile noir. Un crocodile enduit dans de l'oire, dans de la boue, tu vois. Avec des cercles là, comme ça. C'est génial. Avec des cercles et tout. Et des rayures. Il est super stylé, je vois pourquoi il est pas resté. Waouh. Elle, elle est pas jolie par contre. C'est Peggy la cochonne, quoi. Peggy la cochonne, le villageois. Ok, Molly est mignon. Molly est mignon. C'est un petit caneton, quoi. C'est vraiment un caneton. Tu as très réussi le petit caneton. C'est réussi. Oh, bonsoir. Pietro avait un collègue. Il l'a probablement tué. Ce villageois existe. Ses sourcils sont plus gros que ses yeux. Drake, alors Drake, je n'ai de l'affection pour lui que à cause de Vinesauce. Ce streamer devait probablement connaître Vinesauce, j'ai pas besoin de vous expliquer. Mais en gros, il a fait une île avec que des canards. Drake était sur cette île. Et quand ils ont refait, ils ont fait un fan game Vinesauce. Que j'ai oublié le nom. Mario and the Mystery Meat. Et il apparaît à un moment et son sprite est très très réussi. Donc voilà, la personne qui a fait le sprite de Drake en 16 bits, si un jour tu vois ce live, sache que tu as fait un super travail. C'est le rival de l'autre monarque. Ou alors c'est son père. Mais oui, c'est Mufasa. Mufaso. La contrefaçon de Mufasa. Elle est très très mignonne. Elle a une couleur pêche, comme ça. En plus, elle s'appelle Melba, tiens, pêche Melba, voilà. Elle est très très chou. Rien à dire, rien à dire. Ah, j'adore son motif sur les yeux, regardez-le, quoi. Il a un truc au-dessus d'un masque. Ah, il est trop chou. Ça va avec ton bec, là? Et tes sourcils? Et tes cheveux bleus de merde? Putain, t'es dégueulasse, c'est terrible. Je comprends que tu sois pas resté. Alors, son expression faciale est mignonne, mais sinon, à part ça, elle est terriblement moche. Lui, j'ai des avis divisés. Je l'aime relativement bien, en vrai. Grâce à ses yeux. Et je sais qu'il est censé représenter un pingouin précis, mais je sais pas lequel. Et ça, c'est une vraie question. Quel pingouin es-tu censé représenter, finalement? J'aurais juste gardé pour le t-shirt GameCube. Je l'aurais juste gardé parce que ça se voit que c'est une gamer. Ça se voit que c'est une geek. Ça se voit que c'est quelqu'un qui a genre speedrunné et tout, tu vois. J'aurais gardé peut-être pour ça. Je passe. Je passe aussi. Non, je déconne. Non, pour en revenir à ce personnage. Oh, ce qu'il est moche. Oh, c'est dur. Ouf. Ah ouais. Je pense que... En fait, je vois l'idée. Je vois où ils ont voulu en venir. Ils ont voulu faire une espèce de chef de régiment avec lui. Mais il a l'air tellement frimeur et tellement hautain que je l'aime pas rien qu'en le regardant, quoi. Il est très chill. Je pense que c'est ton pote qui dort sur le canapé, lui. Et pourquoi ils l'ont pas gardé? C'est une vache! C'est vraiment une vache laitière! C'est la vache Milka! Y'a aucune raison qu'il l'ait pas gardé! Elle est trop bien! Comment il s'appelle le rival de Dexter? C'est le rival de Dexter. J'aime bien Rory, il s'appelle en anglais. Je l'aime bien. Parce que il est, vous voyez les lions asiatiques qu'il y a sur certains temples, que ce soit en Asie ou que ce soit sur certains temples bouddhistes aussi, je crois qu'il y en a. Enfin, c'est lion protecteur. Il est à l'image en fait d'un lion protecteur, d'une statue de lion protecteur, et j'aime bien du coup.
Alfonso, finalement, c'est la version inférieure de Chuck. C'est un peu triste maintenant que je le vois. Alors, Medley, qui est inspiré d'un personnage de... Comment ça s'appelle? Ah! Wind Waker! Medley, inspiré d'un personnage de Wind Waker, très réussi. D'un côté, tu pourras rarement te planter avec un personnage d'un personnage qui est déjà super bien chara-designé, donc... Il est hideux. Lui aussi, mais là en fait j'ai... Genre ils m'ont mis un personnage sympa, du coup ils vont m'enchaîner des moches en fait. Et ben je me trompais pas, elle est pas terrible non plus. Mais elle, je pense qu'elle est un peu racaille sur les bords. Pardon. Vous savez dans les mi, quand vous fabriquez un mi, vous avez la possibilité d'écarter les yeux. Lui en fait il a vraiment genre pris son modèle et il a fait... Les yeux le plus loin possible les uns des autres. Ça me perturbe. En plus, il a des points au niveau du nez, mais il a pas de nez. Yo, Verigari. Tu arrives pour la présentation d'un villageois moche dont je n'arrive pas à parler. Apollo, best villager possible. Donc j'aime beaucoup Apollo parce que c'est vraiment, il a le design de l'aigle, c'est un rocker, il est un peu grognon. Il a tout pour lui finalement. Et c'était mon villageois préféré dans Pocket Camp que je n'ai plus. Mais dans Pocket Camp à une période, il y avait la Saint-Valentin. Et t'avais la possibilité d'offrir un cadeau à un villageois, c'est à lui que je l'ai offert le cadeau. Parce que c'était mon meilleur villageois. Et il est trop trop cool. C'est tout, c'est genre ton daron qui arrive en moto, quoi. Et lui, il est trop trop nul. Du coup, je suppose que ce personnage a été remodélisé par la suite, mais en effet, on retrouve ici l'idée d'une théière, mais pas terminée. Parce que j'ai rarement vu des théières bleues, et aussi ce t-shirt, c'est un nom pour moi, c'est N-O-N. Je l'aime bien, elle est cool. Elle est très chien, c'est un chien. Mais c'est un bon chien. Je sais pas quel oiseau elle est censée représenter. Je trouve ça réussi. Mais je sais pas quel oiseau c'est. Mais c'est réussi. Power Ranger vert. Super Sentai. Du coup, lui c'est le 3. T'en as fait 2, 3 et 4, je crois. Il manque le 1. Mais il est mignon, j'aime beaucoup l'idée en fait d'avoir des personnages Super Sentai. Est-ce que tu peux faire la ville Super Sentai? C'est une vraie question. Fauna, j'ai oublié son nom en français, villageoise très populaire, très réussie, design très réussi, c'est vraiment une biche, c'est une biche. Après, c'est pas un de mes villageois préférés, c'est juste une biche quoi. Je la mets dans la cage, je l'aime bien. C'est une prostituée. On est d'accord, c'est une pute. Et lui, c'est un SDF. Putain, on a la pute et le SDF à côté. Mais c'est vraiment un clodo. Mais j'imagine, genre, ça, c'est, en fait, ça, c'est une vieille tunique dégueulasse. Genre, ce que portait Diogène, tu vois, le philosophe. Et ça, c'est la barbe qui a jamais été rasée et qui commence à s'accumuler. Et, oh mon dieu, mais même sa queue, elle est moche, quoi. C'est un SDF qui dort sur la plage. Ah, il est trop mignon. J'étais pas au courant. Il y a un élan dans le jeu. Ou un caribou. Mais il est trop mignon, mais je le veux sur mon île. Mais pourquoi je l'ai pas sur mon île? Mais je le veux. Il a l'air trop bien. Je suis in love là. Estire. Elle aussi elle est trop mignonne. Elle, je la vois bien, genre c'est une jeune fille asiatique, c'est une jeune fille chinoise ou japonaise quoi. Je pense qu'ils ont voulu aller vers ce design là. Et merci d'avoir fait un personnage représentant le continent asiatique n'ayant pas des yeux.
qui sont juste des traits. N'est-ce pas, Pokémon? Leonardo, alors, je l'ai sur mon île et je l'aime bien et il va rester. Il s'appelle, en français, il s'appelle Dolph. Je suppose qu'ils n'ont pas voulu l'appeler Dolph pour des raisons évidentes en France. Il s'appelle Leonardo parce que c'est un léopard, vous voyez. Et il est sportif. Genre, je le vois, lui, je le vois vraiment comme le gars qui est sportif mais qui a déjà 30 piges, quoi. Bah du coup, je vois pourquoi ils l'ont enlevé d'Animal Crossing, parce que ce visage-là traumatiserait des enfants. Mais il est trop bien. Mais pourquoi ils l'ont pas gardé? Holden, il s'appelle Holden. Je vais faire une pétition pour qu'on remette Holden dans le jeu. Mais c'est un petit Mario Bros. C'est bébé Mario. Il a le petit chapeau rouge avec la petite salopette. Et ok, il est jaune. Mais s'il l'avait fait d'une autre couleur, ça aurait été un peu bizarre. Bessie, enchanté de t'avoir rencontré. Au revoir. Alors, Carrie est un kangourou d'Aaron. Je crois qu'elle est... Je suis pas sûre si elle est arrogante ou normale. Mais je l'aime pas. Genre... J'aime pas beaucoup les kangourous dans ce jeu. Knox, c'est le compagnon de guerre de l'autre aigle, Sterling. Ce sont tous les deux des chevaliers. Il y en a juste un qui est plus crédible que l'autre. Antonio, probablement le meilleur fourmilier du jeu. Juste, il est sympathique. Voilà, c'est ton pote qui te soutient dans toutes tes actions et tout. Qui fait du sport, qui aime la télé. C'est ton pote, voilà. Oh. Hornsby, il est mignon comme tout. On dirait un peu un jouet. C'est une grenouille camouflage. Ça marchait mieux avec le crocodile. Je l'aime bien quand même, mais je suis pas hyper fan de ses yeux. En fait, on dirait qu'il a pas vraiment des yeux. On dirait juste que c'est un trou transparent. Un peu comme Meltan. Comme le Pokémon Meltan, voilà, c'est un trou transparent et t'as juste une bille qui bouge. Attendez que je devine, elle est arrogante. Après, je trouve que son design est réussi. Voilà, si tu voulais faire un hamster qui frime de ouf, c'est réussi. Genre, c'est typiquement le genre de personne qui vit dans un appartement dans le centre-ville de Paris. Qui a été payée par papa et maman et qui rêve d'être designeuse. Qui du coup est en école privée de design. Tarou, il est rigolo. Oh, arrêtez. On s'arrête 30 secondes, il est vraiment drôle. Regardez sa gueule, il est comme ça là. Oh, Puck, j'imagine que c'est vraiment un joueur de hockey. Et c'est tout, j'aime bien l'idée que ce soit un genre de hockey. Brie, c'est un peu la personne qui te rappelle qu'il faut manger tes brocolis. Et qui te le rappelle beaucoup trop bien. Je l'aime pas. Zucker, alors je sais que Zucker est assez populaire parce qu'il est censé représenter un aliment japonais dont j'ai oublié le nom. J'aime bien l'idée, il est censé représenter de la bouffe. Mais après, est-ce que l'avoir sur mon île est une bonne idée étant donné que... il te donnerait tout le temps juste envie de bouffer finalement. Bénédicte ou le poulet qui comprend pas. J'ai pas compris. Pourquoi je suis dans le jeu? Peggy, ben du coup, il y a un personnage qui est vraiment inspiré de Peggy la cochonne. Autant pour moi. Becky, ça se voit que c'est une frimeuse. Elle est chef d'entreprise, genre c'est la manager chez H&M. C'est la manager chez H&M, j'ai trouvé. Reneg, Russie, design Russie, personnage de la nouvelle génération, hein, puisqu'elle est apparue sur New Horizon. Rien à dire. Sid, je sais pas quoi, par où commencer, genre. Je l'aime bien, parce que j'aime bien son design, mais c'est une tomate. Non, enfin, c'est pas vraiment une tomate, mais cette couleur rouge comme ça, ça va pas du tout. Spork, c'est un porc. Pas grand chose à ajouter là-dessus. Rio, pas ouf, hein. Je sais pas ce qu'il est censé représenter, je sais pas ce qu'il est, je sais pas pourquoi il a une étoile. Pas ouf, pas ouf. Carmen, ben, on voit bien pourquoi t'es plus dans le jeu, hein. Rod, ok, Rod il est marrant, on dirait que c'est un voleur. Ou alors c'est un enfant qui joue à être un voleur.
Non, voilà, c'est ça, c'est un enfant qui joue à être voleur. C'est un enfant qui joue au cambrioleur avec ses copains. Et ses parents s'inquiètent un petit peu pour lui. Alors, par où je commence? Non, en fait, je pense qu'il parle pour lui-même. Il parle pour lui-même, finalement. Il est terriblement laid. Ava, villageoise relativement normale, relativement cool, tu trouves. C'est Blueberry, c'est un peu comme Blueberry. Ah, c'est une myrtille. En vrai, je comprends l'idée de ce personnage et ça va. Il a le droit de vivre. Il a le droit de rester dans le jeu. Lui, par contre, non. Oh, oh, c'est quoi cette barbe? Cette beubarde. Le gars, c'est un vieux patron de bar. C'est le patron du PMU en villageois d'Animal Crossing. C'est un sudiste. C'est un portugais, c'est tout ce que tu veux de poilu, c'est terrible. Pourquoi c'est un hippopotame poilu? Quelqu'un m'explique, les hippopotames, ils ont pas de poils. Je vous ai déjà dit que j'avais pas les dizaines de kangourous. Si oui, ben vous voyez pourquoi. Meringue, voilà. Vous l'avez vu plus tôt, il y a un villageois qui ressemble à Meringue. C'est probablement la bêta de Meringue. Et meringue est plus aussi, elle ressemble vraiment à un gâteau meringué. Je reviens. Sortir d'ici, c'est compliqué. Ah, désolé. Truc qui se débranche. Mais bon, déjà, si c'est pas un truc qui se débranche, c'est déjà ça. Du coup, meringue, personnage russi, ressemble vraiment à un gâteau meringué. Ça se voit que c'est une pâtissière, en plus. Beaucoup mieux russi que son homologue précédent. Bonjour, je n'ai pas d'âme. Ah bah du coup, un des Super Sentai avait été supprimé, en effet, il y avait un zèbre Super Sentai, ou un cheval Super Sentai. C'est dommage, j'aurais voulu le garder. Si jamais le Debouze était un personnage d'Animal Crossing, ce serait probablement ça. Ouf, non, juste non, ça ne va pas ensemble. Rose comme ça, avec bleu comme ça, avec tigre, ça ne va pas ensemble, c'est tout. Octavian, alors le remplaçant finalement de l'octopus qu'on a vu plus tôt. Je crois qu'il est Gronchon. Gronchon. Pardon. Je crois qu'il est Gronchon. C'est... Je suppose qu'il a des fans. Je l'aime bien. Je pense que son idée, c'est d'être un trèfle à quatre feuilles. Et c'est très réussi. C'est très réussi. Je tiens à préciser qu'avant, on avait le personnage en forme de pique. Là, on a le personnage trèfle. On aurait pu garder le personnage pique pour avoir lui aussi avec, mais bon. C'est le personnage Saint-Patrick. Il faut l'avoir sur son île, voilà, Saint-Patrick. Ce personnage a été retiré? Non, ce personnage n'a pas été retiré. Si, il a été retiré. Yo, Mato Enduro. On est en train d'être choqué sur ce personnage qui a été retiré d'Animal Crossing. Qui aurait pu le croire? Salut Vatico aussi, je ne t'ai pas vu, je suis désolée. Elle est super mignonne.
Avec son petit haut, comme ça, là. Dena, Dena, Dena. Elle ressemble à une merde, quand même. Elle ressemble beaucoup à une crotte de nez, je trouve. Comment je vais, bah, à ton avis? Je vais bien. Ce personnage ressemble à une crotte de nez, c'est terrible. Marina, alors, laissez-moi vous mettre un flashback. Ce personnage est un personnage qui... Je crois qu'elle est là depuis New Leaf, un truc comme ça. Elle est là depuis un moment. Merci Vatico pour le don. Je crois que t'es la première personne à avoir donné sur cet épisode. Et merci Mato Enduro également. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu d'alerte. Super, j'ai tout fait bugger. Ah non, reviens, Windows, je t'aime. Reviens, s'il te plaît. Windows, je t'aime, reviens. Non, ne fais pas planter le live maintenant. Ah, non, c'est nul. Oui, ça c'est moi. Oui, ça c'est la photo de tous les villageois. Voilà, merci. Du coup, voilà, il suffisait de faire une donation pour que ça plante. En effet, ça ne s'est pas affiché à l'écran. J'ai un problème avec mon alerte box, moi. S'il te plaît, ne meurs pas. En plus, normalement, c'est censé s'afficher. On va faire un truc. Ok, bon, c'est pas grave. Je reprends, on va faire genre. Oh, Vema, elle ressemble vraiment à une crotte de nez, c'est dommage. Marina, alors, ce personnage est apparu dans New Leaf, et je trouve ça très intéressant. Dans New Leaf, elle n'était pas hyper populaire. Non, mais l'alerte box ne va pas se montrer, c'est terrible, hein. Je te remercie pour la donation, hein, parce que je peux les voir sur le côté, par chance. Mais je ne sais pas pourquoi l'alerte box a décidé qu'aujourd'hui elle ne marcherait pas. Elle marchait l'autre jour, hein. Mais attends, Enduro, faut pas faire ça pour le vrai. Genre, faut pas voler les cartes de ses parents pour faire ce genre de don. Je devrais pas te le dire parce que. J'ai 22 piges, quoi. Mais il y a plus important que de me payer un paquet de cartes. À chaque fois, je perds le fil de ma conversation, c'est terrible. Marina, un personnage qui était dans New Leaf, elle a fait la transition sur la version New Horizon, donc la version Switch, et elle est devenue hyper populaire sur cette version. Et une raison s'explique, c'est que en fait, Marina est un octopus et qu'apparemment, dans le jeu Splatoon 2, un des personnages principaux s'appelle Marina et est également un octopus. Donc tous les fans de Splatoon veulent ce villageois-là. Après, c'est un octopus rose. Ça va. Mais elle est pas ouf non plus, quoi. Ah ! Il est trop bien. Mais c'est un vieux papé ! C'est un vieux papé bleu, regardez-le. Il a des sourcils, il a des cornes, il a une petite frange et une petite barbe. C'est un vieux papé. Il tient même pas droit. Où est sa canne ? Donnez-lui une canne. Est-ce que je peux lui dessiner une canne ? Vas-y. Hop, voilà, il a une canne. Très bien. Faut pas enregistrer, moi. Maple, elle est beaucoup trop choupinou. Regardez-la. Elle est beaucoup trop mignonne. Tiens, c'est vraiment un ourson. C'est un ourson. Elle est réussie, j'ai rien à dire. Marty, il a été retiré également, a priori. Mais il est très mignon, je l'aime bien en vrai. Après, je peux comprendre pourquoi il est pas resté. Il y a pas mal d'oursons dans le jeu et il a rien de très spécial. Eugène, j'ai oublié son nom en français. Mais je l'avais sur Pocket Camp. Il est trop cool, c'est Elvis Presley. C'est Elvis Presley, le villageois. Prince. Pourquoi?
Non, juste pourquoi il a une bouche couleur humaine, mais le reste de son corps est vert. Est-ce qu'il a mis un truc sur sa bouche ou est-ce qu'il a mis un truc sur sa peau? C'est ma vraie question. Aussi, on dirait un gamin qui sait qu'il a fait une connerie et qui casse sa jambe. Personne ne l'a encore remarqué. Ou c'est un gamin qui joue à cache-cache. L'un des deux. Rosie, personnage ultra populaire, mis en avant dans le film, mis en avant dans le jeu Pocket Camp, mis en avant très régulièrement. C'est un personnage très très chou. Eddie est un petit éléphant. Il est marron. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Héloïse. Alors, je vais dire un truc hot take, voilà. Je vais dire un truc qui ne va pas plaire à tout le monde. Je n'aime pas Héloïse. Je n'aime pas du tout son design. J'aime pas sa putain de frange. J'aime pas que le bout de sa trompette soit bleu. J'aime pas ses yeux. J'aime pas sa bouche là de travers. Qu'est-ce que c'est que cette bouche, quoi? Bref, j'aime pas ce personnage. Je suis vraiment désolée. Boots, j'en ai parlé un peu plus tôt, mais c'est d'un crocodile très crocodile. Il est mignon, il a un petit look de bouffon, j'aime bien. Hans, par où je commence par rapport. Alors, très bien pour avoir la représentation de Bigfoot. Parce que réellement, je pense que l'idée, c'est d'avoir un Bigfoot mélangé avec un Suédois. Ça a donné Hans. Mais la petite mèche, les yeux et le petit nez rouge, ça reste quand même exceptionnel. Champ, beaucoup plus mignon que les autres homologues singes qui l'ont remplacé. Ils auraient pu garder Champ, hein, vraiment. Champ est un singe mignon. Pas compris. Agnès, personnage relativement populaire, genre dans la moyenne gamme. Je l'aime bien. L'idée d'avoir un petit cochon noir comme ça, c'est réussi. En plus, je trouve que ses yeux avec le petit cercle autour, ça marche. Dizzy, est-ce que Éléphant Bleu, la marque de lavage de voiture, existe toujours? Parce que, a priori, c'est un sponsor, ça. Non. Pas cette couleur. Pas sur un ours. Pas ses yeux. Otis, c'était probablement un rouge-gorge, mais actuellement il est juste un quadruple menton, comme ça. Genre, littéralement, je ne vois que ça, son menton fait la moitié de sa tête. Del est inspiré du look d'un sous-marin. Très réussi, j'aime beaucoup. Je l'imagine, tu sais, les villageois, ils le voient nager sur l'île et sont en mode. Est-ce que c'est un sous-marin au loin? Bianca, très 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 réussi comme design. Léopard de mer. Léopard de mer. Léopard de mer. Ah non, j'ai dit de la merde. Léopard des neiges. Bianca, design très réussi. Léopard des neiges. Rien à dire. Les couleurs principales de son logement, parce que je l'ai sur mon île. Les couleurs principales chez elle, c'est blanc et rose. Ça marche, étant donné qu'elle porte du blanc et du rose, sans qu'on te hurle à la gueule qu'elle aime le rose. C'est comme ça qu'on fait un personnage féminin, les gars. On ne fait pas un personnage tout rose. Alors, Fuchsia est un cas à part. Mais je viens de dire qu'on ne fait pas un personnage tout rose, mais Fuchsia est un cas à part. Fuchsia, c'est la pimp lesbienne. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Elle a les oreilles percées de façon asymétrique. Cette coupe de cheveux, c'est typiquement de Berlin. C'est typiquement des années 80 aussi. Ce look, ce genre de robe, tu mets pas ça comme ça. Faut quand même être assez à l'aise. Elle est couleur fuchsia, comme son nom l'indique, avec des oreilles fuchsia, ça marche. C'est un des rares personnages tout rose pour qui ça marche, parce qu'il y a une idée derrière. Il y a un stéréotype attribué. Et Clyde, c'est quelque chose qui marche pas. Toby a été retiré du jeu, j'imagine qu'il est avec l'autre oiseau que je vous ai montré, un chanteur d'a cappella dans la rue. Genre, il chante avec elle, lui, ou il chante avec elle. C'est dommage qu'ils aient été retirés tous les deux, ils devaient faire un bon duo. Tibalt, c'est quand tu fais un tigre mais que t'es pas vraiment sûr de ce que tu fais. Alors, je suppose que René est un marin débutant, ou une marine débutante.
dirais un marin quand même, parce que ce regard-là, c'est pas un trait féminin. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. René est transgenre, voilà. Ketchup. Tomate. C'est un canard en forme de tomate. Good. Norma est une vache rose. Tiens, je ne l'ai jamais vue. Elle est très 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 cute. Et Bitty est un hippopotame rose qui doit être le remodel d'un ancien hippopotame qu'on a vu. Et elle est moche. Je vais demander au chat. Joker, c'est quel animal? J'arrive même pas à dire quel animal c'est. Est-ce que c'est un lapin ou est-ce que c'est un cerf? Olive, ben, il est sympa, il peut rester. Shari, oh, ça va. Elle est moche. Pardon. C'est un lapin? Enfin, un lapin. Bonjour, le manque de sommeil, je dis de la merde. Greta est une souris? Serveuse ou servante? Et elle est particulièrement laide. C'est vraiment, c'est une servante, mais elle a plus de 60 ans. C'est Madge dans le cœur à ses raisons. J'ai trouvé, c'est Madge dans le cœur à ses raisons. Anacoti et le virus coronavirus est réel, finalement. Si un villageois devait représenter un virus, ce serait ça. Scott, tous ceux qui regardent Vine Sauce savent ce qu'est Scott. Donc je vais juste dire Vine Sauce sur moi. Du coup, j'avais raison. Le chien qu'on a vu tout à l'heure, que je vous ai dit, c'est probablement inspiré de l'iDog. Là, on a l'iCat. C'est pas un vrai chat, c'est un robot avec un écran LED qui sert de visage. J'aime beaucoup l'idée de ces deux personnages, en fait. C'est dommage que les deux ne soient pas restés, mais notre génération n'utilise plus du tout ce genre d'objet, donc... Voilà. Sous, et ben, on comprend pourquoi t'es pas resté. Monty, alors, on dirait un des acteurs des Monty Python. Ça va. Genre, je l'aime. Je l'aurais pas sur mon île. Parce que j'aime pas spécialement les singes et lui, il est pas ouf. Mais ça va, il peut rester. Il a le droit de vivre. Elle, par contre, elle n'a pas le droit de vivre. Fun fact, elle s'est ramenée dans notre île au camping. On l'a vu. Enfin, ma petite sœur l'a vue, elle me l'a montré. Je vais même pas lui parler, elle est hideuse et elle a l'air insupportable. Elle a une gueule de peste. Il s'appelle Grizzly. Et c'est un Grizzly. Et il a des sourcils qui sont poilus. Non, là vous voyez, c'est comment on exécute bien un ours. C'est un bûcheron, il a la veste de bûcheron, il a les poils, les sourcils, il a l'allure, c'est un birze. Et ça, c'est une chouin. C'est une pétasse. Donc, alors... Je suppose qu'il s'est un peu fait écraser le nez. Je suggère. Non, j'ai adoré ajouter. Il s'est vraiment juste fait écraser le nez, quoi. Est-ce qu'on peut mettre Womanizer? Je vais mettre Womanizer en post-production et rester comme ça et montrer le personnage. C'est Britney Spears dans Womanizer. C'est Britney Spears dans Womanizer, ils en ont fait un villageois. Alors, Petunia qui a été retirée du jeu, en vrai, elle aurait pu rester. Et j'aime beaucoup l'idée en fait que son énorme corne là, ce soit une fleur. Ça rend beaucoup plus mignon le personnage. Waouh, je croyais avoir vu des personnages vraiment moches, mais en fait, toi, t'es au-dessus de tout. Déjà, de deux choses d'une. Ce t-shirt, j'espère qu'il est dans le jeu, je le veux. Ensuite, elle est adorable. On dirait une marionnette, tu sais les marionnettes que tu mets sur ta main? Avec ses petites oreilles comme ça, ça me rappelle ça. Et ses petits yeux un peu vides. Wendy en français, Paula en anglais. Villageois de mon starter pack. Elle était sur mon île direct. J'aime bien ce villageois en vrai.
Elle est super motivée, elle est super entraînée, elle est là pour toi. Et j'aime aussi le fait que ce soit vraiment une villageoise. Elle s'est montrée dans le jeu. Genre sur la pochette de Maharaja Kiki, elle apparaît, elle est indienne. Et j'aime beaucoup que tu aies un personnage indien, grande sœur et relativement indépendante, quoi. Je trouve ça super. Je m'attendais pas à ce jingle, je suis désolée. J'ai eu un flash soudain de What the Cut dans ma tête, je suis terriblement désolée. On recommence. Paula, j'aime trop. Léopold, on dirait c'est ton prof de philo. Léopold, ton prof de philo. Bettina, elle doit être cuistot dans une cuisine, j'imagine. Elle ressemble à de la soupe, et j'aime pas la soupe. Donc ça résume un peu mon avis sur elle. Thierry, elle est rose, elle est chou, rien à dire. Midge, alors, elle est totalement graciée, elle est sauvée par ça. Je trouve que ça lui va trop bien. Ça va bien avec le personnage, ça c'est réussi. Et Jacob, Ao. Je sais pas encore me fixer, en fait, j'aime bien ses couleurs, j'aime bien l'idée. C'est une espèce d'inséparable ou de perroquet. Mais j'aime pas ses yeux. Et son bec, ça va. Mais j'aime pas du tout ses yeux, en fait. J'aurais pas mis ses yeux-là. Apollo, on en a déjà parlé. Cherb, alors, un des nouveaux arrivants d'Animal Crossing. Très populaire aussi. C'est une chèvre mignonne. Et c'est aussi ton meilleur pote efféminé, un petit peu, quand même. Victoria, pourquoi tu as un slip sur la tête? Vic, j'aime beaucoup l'idée de Vic. C'est un viking. J'aime beaucoup l'idée. Curly est littéralement un porc. Vous savez les porcs qu'on met à brocher et dont on fait tourner la tête et tout, enfin. Les trucs qu'on représente dans les films et qui de nos jours c'est relativement barbare. Bah c'est Curly. Penny, personnage retiré du jeu. C'est dommage parce qu'elle est pour une souris. J'aime pas beaucoup les souris dans le jeu. C'est fou, je dis toujours j'aime pas beaucoup tel truc, mais par exemple j'aime beaucoup les aigles. Mais Penny, elle est roussie en vrai. Cette couleur chocolat comme ça lui va bien, ça fait vraiment souris. Alors, Link Wolf, ils ont dû se faire chier à designer cette partie-là quand même. Amiibo Link, paf, et tu obtiens Link Lou, comme ça. Bonne idée. Design roussie, après, c'est comme tous les personnages de Zelda qui étaient associés avec Animal Crossing. Sunny, elle est pas restée dans le jeu. Finalement, en fait, c'est Froggy Cher, mais en tant que villageois. Villageois Froggy Cher. Si elle était encore là de nos jours, elle aurait été très populaire, je pense. Brocolo, tu peux dégager de ma vue. Bo, alors, Bo est relativement populaire. Bo était sur mon Pocket Camp. Et j'aime bien Bo. Il est genre. C'est le gars qui est en un avec la nature, quoi. C'est une drag queen. C'est pas une fille. C'est pas. Je suis sûre que c'est une drag queen. Si c'est voulu ou pas, j'en sais rien, mais c'est une drag queen, c'est obligé. Sinon, si c'est une drag queen, je la respecte. Si c'est pas une drag queen, je la respecte pas. Tiara existe. Derwin. Alors, lui, c'est Milouz. Milouz, l'oiseau. Milouz, le canard. Milouz, le villageois Animal Crossing, finalement. Gonzo. Alors, Gonzo, je l'aime relativement bien, mais je voulais pas le garder sur mon île. Gonzo, c'est le vieil Australien qui veut se battre avec tout le monde. C'est le vieil Australien alcoolique et il veut se battre avec tous les villageois de la ville. Jatter, ou... Je n'ai pas dormi depuis 30 jours. L'oiseau. Alors, Mac est un de mes villageois starter pack qui, suite à une fausse manœuvre, a dû quitter ma ville, mais si je pouvais le récupérer, je le récupérerais. Mac en français, ça... Alors, petite histoire. Mac en français s'appelle Brutus. Beaucoup de gens se demandent qu'est-ce que ça a d'important. Dans la version GameCube et la première version d'Animal Crossing, il y avait une légende comme quoi un chien bulldog violet s'appelait Brutus,
existait dans la ville, envoyait des messages codés, faisait bugger les jeux ou détruisait des trucs. Pour couvrir un petit peu cette rumeur qui était relativement populaire en France, ils ont créé un personnage dans New Leaf. Je crois que c'est dans New Leaf qu'il apparaît. Enfin bref, ils ont créé ce chien qui ils l'ont nommé Brutus en France pour que plus ou moins on enterre cette légende. Moi, je pense juste qu'il est une représentation de cette légende finalement. Parce que quelles étaient les caractéristiques de Brutus? Il était fort. Il était méchant. C'était un chien. C'était un bulldog pour être précis. Et c'était quoi les trucs? Et il écrit en code. Il n'écrit pas en code. C'est un chien. C'est un bulldog. Il n'est pas méchant parce qu'il n'y a pas de personnage méchant dans Animal Crossing. Je ne sais pas que ça vient de mes doigts. Et il est fort puisque c'est un sportif. Donc, en effet, j'aime beaucoup Mac. J'aime son histoire, j'aime son idée, j'aime Brutus. Voilà, il est comme ça. Groncho. Alors, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien parce que c'est fait griffer par un tigre. Genre, il s'est disputé avec Dolph ou avec Bianca, il s'est fait griffer et maintenant il est devenu beaucoup plus gentil. Puis ça se voit, regardez sa tronche, ça se voit qu'il est gentil. Alors, Lily, l'arénette du jeu, j'aime bien son design. C'est pas mon villageois préféré, mais j'aime bien son design. Axel est beaucoup trop content pour rester sur cette page. Ah bah du coup ça marche. Merci à toi, Néo Summer. Néo Sum. Néo Summer. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'en étais où? Ah oui. Ah! Ce personnage est moche. Je n'ai pas d'autre mot, en fait. Il s'appelle Al et il est dégueulasse. Cette couleur. En fait, j'ai un problème avec cette couleur. Entre cette couleur, ses yeux, ses sourcils, y a rien qui va. Salut Loïc RPG. RPZ. RPG. Simon, je sais plus quelle race de singe chimpanzé c'est, mais c'est sympa qu'il ait fait. Il a ces grands trucs rouges là, j'aime bien, j'aime bien. Il peut rester. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh ben, on regarde et on examine tous les personnages d'Animal Crossing que j'ai réussi à trouver. Apparemment, il y en a 480. Oui, c'est beaucoup. Et on passe un par un pour regarder à quoi ils ressemblent, comment ils sont, etc. Leur popularité. Patty, j'aime bien Patty. C'est vraiment une vache, quoi. C'est genre, oh, oh, c'est beaucoup trop bien. Hein. Genre, j'imagine tellement comme ça, avoir un ton de voix comme ça et tout. Être canon avec ce personnage-là, mais j'aime bien. Julia, tellement dommage qu'il ait rendu arrogante dans la version New Horizon. Parce que c'est un paon. Elle est super stylée. Ou il est super stylé, parce que normalement, c'est les paons mâles qui ont des couleurs, mais c'est pas grave. Très très stylé. Très très stylé. Et Kevin, c'est une petite racaille. Hein. Déjà, il s'appelle Kevin, donc je vais avoir du mal à le respecter. Mais en plus, il s'habille comme une racaille, ça se voit qu'il est prépubère. Pas un grand fan. Pas un grand fan, je le garde pas. Kurt est beaucoup trop mignon. Je l'avais dans Pocket Camp et c'est un personnage harmonieux, mais il est harmonieux et en même temps, il a une bosse sur la tête constamment. Premièrement, parce qu'il est trop grand et il se prend tous les meubles. Il se prend toutes les portes quand il rentre quelque part. Wade qui a ce fameux t-shirt pique, donc ça veut dire qu'il existe dans New Horizon, donc il faudrait que je le regarde si je peux le trouver. Wade, j'aime bien le fait qu'il ait un mauvais dégradé de couleur sur la tronche. Ça fait très Photoshop 1997. Ursula. Bon bah voilà. Oula. Elle s'appelle Pom Pom. Je suis sûre que c'est pour référencer une certaine vidéo internet. Je ne dirai pas laquelle. Je pense que si vous la connaissez, vous avez déjà la musique dans la tête. Bunny, alors je crois qu'elle chante dans un groupe de K-pop. Ou un truc comme ça. Elle chante dans un groupe d'idol. Je l'aime relativement bien, ça va. J'aime beaucoup trop ce personnage. Marcel, j'aime beaucoup trop. C'est un mime. C'est un motherfucking mime. C'est un mime. J'adore. J'aime beaucoup les villageois qui ont une idée, qui ont un motif derrière leur existence, et lui, son motif, c'est d'être un mime. Et si je peux l'avoir sur mon île, j'aimerais bien l'avoir, mais j'espère qu'il est muet. Puis oui, et exactement ce que vous attendiez d'un gorille sur
le jeu. Il est réussi, il accomplit bien sa mission. C'est un gorille. Oh, dur! Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qui t'a créé? Qui t'a créé comme ça? Tu es terriblement moche, je suis désolée pour toi. Alors, Bubble, il est mignon, ou elle est mignonne. Rien de plus à ajouter, après je pense que je la trouve plus mignonne à cause de la pose, parce que la pose qu'ils lui ont mis, elle est trop chou. Judy, alors, personnage ultra populaire. Personnage qui est dans le top tier, hyper recherché, les gens veulent absolument la voir, c'est un truc de fou. Je comprends pourquoi, après... C'est pas mon genre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont... Alors, Kazapa. Une partie du fandom pense qu'elle porte en effet une burqa. Si c'est le cas, si c'est l'idée de Nintendo, bravo, félicitations, parce que c'est très difficile pour les gens de voir des personnages comme ça. Donc en faire un personnage avec une burqa qui est aussi mignon, c'est très réussi. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, c'est quand même un personnage très réussi, et j'aime beaucoup le fait qu'elle soit des couleurs dégradées de rose et de bleu. Finalement. Mais elle est géniale. Vous avez vu cette moustache? Mais remettez-le dans le jeu, juste pour la moustache. Elle est moche. J'ai déjà dit que j'aimais pas les kangourous, mais là, on est à l'extension de ce qu'un kangourou ne doit pas être. Elle n'a même pas de nez. C'est vol de... J'ai trouvé. C'est vol de mort si c'était mis au rose. J'ai mieux. Pardon. C'est vol de mort si c'était mis un drag queen à portée du rose et qu'il était devenu un villageois d'un animal crossing. C'est tout. Brift, en vrai, je vois un peu une idée. Je suis pas sûre que ce soit ça leur idée. Je pense qu'ils ont voulu faire un personnage. Vous voyez les rainettes empoisonnées? Des rainforest frogs ou un truc comme ça. Les grenouilles empoisonnées que si tu touches, tu meurs. Basiquement, je pense que c'est ça, ce personnage. Si c'est le cas, c'est sympa. Si j'avais un F-tier, tu serais dedans. En vrai, Egbert, ça va. Je veux dire... T'as un poulet qui fait des insomnies, quoi. Je peux comprendre son problème. Jacques! Mais il est super stylé. C'est un gros hipster. J'aime beaucoup. C'est vraiment un gros hipster de merde. Et c'est ce qui me plaît chez lui. C'est que c'est vraiment un hipster. Il peut rester. Jay, alors Jay, je l'avais... c'est un personnage facile à débloquer sur Pocket Camp. Mais déjà depuis le début du jeu, c'est un personnage sportif. J'aime bien le fait que ce soit un game walker comme ça. Je sais plus si c'est exactement un game walker, mais... J'aime bien que ce soit cet oiseau. J'aime bien que ce soit cette race d'oiseau, comme ça au moins il est représenté, c'est un petit peu sympa. Oh mon dieu, je me suis tombée. Elle ressemble à une théière. Vachement plus que l'autre, en fait. Elle, c'est vraiment une théière. Tu as le petit truc, le petit motif là. Au bout du thé, des trucs pour l'attraper. Je me suis gouré dans les personnages, terrible. Du coup, j'aime beaucoup ce personnage, c'est une théière. Je refais mon explication, mais comme je l'avais dit plus tôt, la théière est le premier objet modélisé en 3D. Donc modéliser un personnage d'Animal Crossing avec une théière, c'est une très belle référence. Alors, Valet en français, Naomi... Ah! Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, ce personnage est... Ah! Bif! Bif! On va faire du bif, bif, bif. Pardon. J'aime bien sa couleur. J'aime bien sa couleur, j'aime bien son expression faciale. Il peut rester. Samson, dans la longue liste des souris ne sont pas populaires, Samson. Après, Samson, ça va, c'est une souris. Est-ce que vous connaissez Ratatong?
Ratatang est un film bootleg venu du Brésil, et j'ai l'impression que c'est le personnage principal de Ratatang qui est arrivé dans le jeu Animal Crossing. Alfonso, c'est ça son prénom, Alfonso. Bah, Alfonso, la version inférieure de Chuck. Antoine Daniel. Rocco, j'aime bien parce que c'est un mec qui travaille dans le BTP. C'est tout, c'est un mec qui travaille dans le BTP et il doit être super musclé, mais il en a trop marre, quoi, de sa vie de travailleur dans le BTP. Du coup, elle, c'est une geisha ou quelque chose comme ça. Je vais dire que c'est une femme traditionnelle asiatique, parce que une geisha dans un jeu Nintendo, c'est un peu compliqué, voyez-vous. Cléo est totalement sous MD. Elle est totalement sous MD. Il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle redescende. Rolf, le némésis de Dolph. Un tigre blanc. Bon, bah, c'est sympa d'avoir un personnage tigre blanc. Après, il a l'air furax. Missy en français, Pénélope en anglais. Missy est un bien meilleur nom, d'ailleurs. Je l'avais sur mon île pendant un moment. Parce qu'elle est arrivée très tôt sur l'île. Et... pour un personnage souris, elle est russie. Elle fait très mini dans Mini Mickey, quoi. Elle fait très Minnie Mouse. Après, ce qui fait qu'elle est russie, c'est ça. Ses oreilles sont un immense nœud. Et je trouve que c'est russie. Ambo, il n'est pas resté, mais il est... c'est comme le cochon pirate. Lui, c'est le cochon capitaine. C'est très dommage qu'il soit pas resté. On dirait un humble capitaine de... d'un bateau ou quelque part. Ah, il est trop mignon. C'est un vieux papé. Attends, on va lui faire une canne. C'est un vieux papé, alors il mérite une canne. Voilà. Du coup, Billy, le vieux papé qui mérite une canne, il est beaucoup trop mignon. Je le veux sur mon île, en fait. Bon, je vais pas enregistrer, on s'en fout. Oui, qui descend enregistrer. J'ai très envie d'éternuer. Phil, alors, je sais pas si c'est un scout ou un ninja. Mais si je me pose la question, c'est que son design est un peu raté. Mousse, le personnage le plus moche du jeu. Ce personnage est légendaire. Il est légendaire parce qu'il est hideux. Vous êtes conscient qu'il a des poils comme ça qui reviennent sur ses joues? Mais essayez! Essayez de vous imaginer Mousse comme un être humain. Vous avez du mal? Très bien, parce que c'est peut-être mieux pour vous. Butch, j'aime beaucoup Butch. Butch, je suis sûr, il est genre champion de billard ou un truc comme ça. Genre, il est hyper chill, il est en mode... ouais, moi j'en ai connu des trucs. Quand j'étais étudiant, j'ai fait toutes les manifs et tout. C'est ce genre de gars, quoi. Cousteau, alors je l'aime bien, il y a des gens qui l'aiment pas. Je l'aime bien parce que son idée c'est que c'est un cuistot. C'est genre une espèce de cuistot italien, c'est un pizzaiolo, je l'aime bien. Ribot, c'est une grenouille robot. Alors j'ai compris la blague en anglais, c'est qu'il fait ribot, ce qui fait robot, mais en même temps le bruit de la grenouille, voilà. En français la blague marche beaucoup moins finalement, donc c'est juste une grenouille robot. La peste! La peste. La peste. Littéralement, je parle de la peste noire, parce que là, c'est ce personnage, si on voulait représenter la peste dans le jeu, ce serait elle. Birdo, alors. Birdo est un espèce de daron. Genre, il est chauve, mais il a de la barbe et une moustache. J'aime bien l'idée d'avoir un personnage daron. Le seul truc qui me dérange, c'est ça. Le seul truc qui me dérange, c'est ça, hein? C'est quand même très bizarre, Animal Crossing, étant donné que tous tes personnages ne portent pas de pantalon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais ils ont raté un fan, hein? Ils ont raté un des modèles d'animaux le plus mignon du jeu, ils l'ont raté. Regardez-moi ses lèvres. Ah, je peux pas le regarder trop longtemps. Ah ben, justement. Moi qui disais, le gorille d'Agrexuko, il est dans le jeu.
Bah voilà. J'aime beaucoup l'idée qu'ils puissent faire des personnages comme les crocodiles ou les gorilles féminins. Je trouve que ça leur va bien, je trouve que c'est une bonne chose. Salut Tenechix. Je ne suis pas encore arrivée sur Ramsès. Mais étant donné qu'il reste plus beaucoup de villageois, on ne devrait pas tarder. Je fais chaque villageois un par un. Faut respecter ceux qui sont beaucoup moins populaires. Comme Mousse. Brofina, qu'est-ce que je peux dire? C'est un poulet avec du rouge à lèvres. Ok, on s'arrête. Oharé, je le trouve relativement stylé. Il pourrait chanter dans la Nouvelle-Orléans. J'imagine qu'il chante dans la Nouvelle-Orléans, qui est dans un groupe de jazz, un truc comme ça. Ça lui irait trop bien. Aurore, c'est lequel? Parce que comme j'ai les noms anglais et pas français... J'aime beaucoup son expression faciale. C'est comme ça que tu fais un personnage avec une expression faciale un peu ridicule. Genesis, c'est pas contre toi, mais je ne vois pas qui est sur ton île. Elle est trop bien. C'est un flamant rose. Je vis dans une région où il y a pas mal de flamants roses au bord de la mer. Donc, réellement, avoir un personnage flamant rose, c'est super intéressant. Je sais pas quel est son comportement, mais je la veux sur mon île. Le pingouin noir et blanc. Le pingouin noir et blanc avec qui décolore un petit peu. Oui, j'ai dit que je l'aimais bien parce que il me rappelle un peu Photoshop. Mais bon, rien à voir quoi. Bruce, il est dans un groupe de métal, c'est trop sûr. Il est dans un groupe de glam metal ou un truc comme ça. Alors, soit c'est une pute, soit c'est une drag queen, soit c'est une pétasse. L'un des trois. Je suis pas hyper fan. Vivian, c'est un peu... Je suppose que c'est une fille, mais c'est un peu le bêta loup, quoi. Le bêta-bêta. Le bêta mâle. En fait, c'est comme ça que je me représentais les grenouilles quand j'étais gamine. Sauf que là, je l'aurais pas fait jaune, j'aurais fait blanc. Genre, il y avait du potentiel, mais ça s'est un peu planté sur un moment, quoi. Boris, bah c'est le remplaçant de Ganon, finalement. Le amiibo Ganon était assez populaire. Et du coup, ils ont refait un villageois sur l'image de Ganon. De l'amiibo Ganon. C'est une bonne chose. Elle est noire et blanc souvent. Est-ce qu'elle a juste une seule grosse pupille? Si oui, oui, je l'aime bien. Je l'ai pas sur mon île, mais je l'aime bien, je la trouve sympa. C'est pas mon S-tier. Mais d'un côté, j'ai genre deux villageois en S-tier. Donc... Croquet. Il est beaucoup trop drôle. C'est un mousquetaire ou un samouraï. Ah, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais je le verrai peut-être pas sur mon île, quand même. Faut pas déconner. Astrid, Ronda en français, ou Roda. Alors, le truc cool, c'est que ça se voit qu'elle a été dans un groupe genre Kiss, tu vois. Le truc nul, c'est qu'elle est arrogante. Nana, c'est un singe rose. C'est un peu l'héritier de Chip, mais dommage qu'il soit rose, quoi. Cobb, tu ressembles... Je suis désolée, j'ai un coup de chaud. C'était... Cobb, tu ressembles un peu à un scientifique fou, en fait. Tu es Doc dans Retour vers le futur. J'aime bien Admiral. J'aime bien Admiral parce qu'il est tout vert et parce qu'il a un mono-sourcil comme ça tout le temps. Genre, en fait, il a un sourcil qui vraiment lui prend tout son visage. Genre, son petit sourcil est comme ça, quoi. Lobo est un sous-garde, a dit. Me faites pas dire le contraire. Epona. Bon, bah, tout est dit, franchement. Et très réussi comme modélisation de Epona pour le coup. C'est vrai que ça doit être bizarre d'avoir Epona dans le jeu tout de même. Doser.
En vrai, je l'aime bien. Il a l'air d'avoir pris une bonne dose de quelque chose, mais il est dosé. Opale. Non. Ok, Gary en français, Kyle en anglais, est sur mon île, il est trop cool. Genre, je le vois comme ça, en fait, il était avant membre d'un groupe de rock qui a plutôt bien marché, il a essayé de devenir acteur et il s'est planté, et maintenant il est sur notre île. Et j'aime bien le fait qu'on ait un personnage qui soit un lycaon. Pour ceux qui savent pas, le lycaon, ça ressemble vaguement entre croisement entre un chien et une hyène. En plus, un loup et une hyène. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Claude et le mono-sourcil en looping est de retour. Béa est trop mignon. C'est un petit... pour moi, c'est un petit beagle ou un truc comme ça. Tout marron, tout mignon. Et son intérieur chez elle dans New Horizon, c'est littéralement... c'est littéralement un restaurant. La meuf, elle vit dans un restaurant. Elle a un restaurant, elle a un petit restaurant genre guinguette, etc. Trop bien. Elle est trop cool. Elle est là depuis les premiers jeux, et elle est trop cool, et je comprends qu'ils l'ont gardée. La nouvelle Carmen, du coup, puisqu'on a fait l'ancienne Carmen, beaucoup plus intéressant. Un look que je peux parfaitement imaginer en version humaine. C'est assez terrible. Fleury est très très mignon. Fleury est ce petit hamster tout blanc. Bah justement, j'allais revenir après sur ce personnage de Nessix. Mais oui, très très mignon, c'est le personnage de l'innocence. Elise est secrétaire dans un laboratoire ou un truc comme ça, elle est secrétaire quelque part, et être secrétaire, c'est toute sa vie. Shader est une souris qui marche. Shader est une souris qui marche, étant donné qu'elle ressemble à un fromage, c'est parfait. Le gars, en fait, il a chopé un algue, et il se l'est collé sur le front, et il a fait ça, c'est mes sourcils, frère. Poncho, qui a priori n'est plus dans le jeu, c'est dommage parce qu'il est relativement mignon, hein. Valet, tipper, comment expliquer? Cette pute est venue sur notre île, on l'a acceptée sur notre île. 3 jours après, elle a demandé de se barrer. Tu mérites même pas que je parle de toi. Non, mais plus sérieusement, c'est une vache, noire et blanche, donc c'est plutôt réussi, mais pourquoi lui avoir fait une immense bouche rose? C'est moche! Tanguy est un chat que j'aime bien, est un chat qui est relativement apprécié dans la communauté, parce qu'elle a une gueule d'orange. Et ça, c'est réussi. En effet, Tenechix, je me souviens un truc. En effet, elle est allée à la Gay Pride, c'est le deuxième personnage avec un t-shirt arc-en-ciel qu'on a vu jusqu'ici. Wolfang est un loup très très loup, je suppose qu'il était aviateur ou un truc comme ça, en jugé par sa veste. C'est plutôt réussi. Mira, alors, petite histoire. Une collègue avec qui j'étais à Berlin, et avec qui on parlait du jeu parce qu'on avait toutes les deux l'intention d'acheter New Horizon avant qu'il sorte, me disait qu'elle voulait vraiment Mira sur son île parce que c'était un personnage hyper important pour elle, étant donné que c'est une super-héroïne qui affronte le quotidien de plein pied. Et j'aime beaucoup l'idée d'avoir un personnage super-héroïne. C'est Superwoman. Ok, Walt. Je l'aime bien. C'est un karatéka. Il s'est battu. Il a des cicatrices. C'est tout. C'est genre, c'est un karatéka qui a des cicatrices. J'ai rien à dire. C'est parfait. Robin, la putain de lesbienne frimeuse. Cette connasse nous a viré Brutus de l'île. On l'a eu sur notre île et on a commencé à la détester. Salut, Yvan. Yann. Yann. Monsieur 62. Je n'aime pas du tout Robin. Voilà. J'aimais bien son design, j'ai arrivé, j'ai fait « Oh, cool !» Un personnage un peu genre... punky lesbienne et tout ça, c'est super swagué et tout, bah, on va lui proposer bien sûr son île. Cette pétasse a viré un de nos personnages préférés, et on s'est dit « Bon, c'est pas grave, tant pis, Brutus, il partirait tôt ou tard. » Mais en plus,
quelques jours, genre quelque chose comme même pas un mois plus tard, on la chope en train de discuter avec Wendy, qui est une de nos autres personnages principales. Et elle, elle dit que notre île, c'est de la merde. Et oh, on se calme, notre île, elle est 5 étoiles. Hein. Donc bref, je l'aime pas, mais c'est un rouge... Après, pas à part, c'est un rouge-gorge, elle est stylée, son design est réussi, même si ça fait très lesbienne frimeuse. Kobe est marrant. Mais j'aurais pas grand-chose à rajouter. Il est cute, quoi. Il a un petit nez allongé, tout ça, c'est sympa. C'est un luchador! Ok, lui, je l'aime déjà. Non, l'idée qu'on ait un personnage luchador, je trouve ça soigné. En plus, c'est un oiseau, les luchadors ont la réputation d'être relativement légers en catch. Alors, Cho a essayé de débarquer sur notre île, et Cho est tellement moche qu'il peut rester là où il est. Je veux dire... Comment tu rates un design de panda? Zell est très swag. Zell est très rock. Zell faisait partie d'un groupe comme ACDC avant. Et ça se voit. En vrai, c'est... Vous voyez des chats qui sont tellement moches, qui sont mignons? C'est exactement ça, Tabi. Bill, Choco en français, il est également sur mon île. Il est très très chou. En fait... J'aime beaucoup le fait qu'il s'appelle Choco en français. Merci pour le follow, Yann. Ouais, en fait, on est bloqué parce que le truc con, c'est que j'ai foutu l'alerte box en urgence sur ma tronche. Merci pour avoir suivi également Tenechix. Et d'être beaucoup pour les villageois si t'as pris le pingouin avec aucune pupille, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Mais ouais, Bill est trop sympa, sa maison est trop belle. Genre, Bill est un petit enfant asiatique. Merci, Emily 2702. C'est d'ailleurs si je t'appelle juste Emily parce que dire le nom en entier, c'est chiant. Mais oui, Bill, petit enfant asiatique, aime faire du sport, est beaucoup trop mignon. Et s'entend super bien avec d'autres villageois, donc je suis très contente de l'avoir sur l'île. Vous ne voyez pas son nom en anglais, mais en anglais, elle s'appelle Gail. Comme gay et elle... Donc j'ai deux théories là-dessus. Je vous laisse les imaginer. Mais j'aime beaucoup... Ça, c'est un personnage rose, russi, et féminin. Et c'est également un crocodile rose, ce qui est très très chiant à représenter, un crocodile féminin. Donc, putain. Bonne remarque. En effet, c'est Birdo. Quelqu'un vient de ramener ça dans le chat. C'est Birdo. J'aime bien Birdo, en vrai. Next! Ok, Klaus, on ferme une seconde. Klaus, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment pas. Moi, j'aime bien l'idée que ce soit un empereur romain. Genre que ce soit Jules César ou un truc comme ça et qu'il l'ait représenté en ours sur l'île. Et il a pas l'air très agressif hein, pour un dictateur romain. Bob, best cat, même cat, le meilleur chat du jeu finalement. Si j'étais le plus proche d'un animal dans Animal Crossing, ce serait ça au niveau de caractère. Hein. Murphy est vraiment marrant. En fait, il a pas des yeux, je suis sûre que c'est genre. Ça fait bip. C'est genre des petites lumières ou un truc comme ça, je suis sûre que c'est pas des yeux. Merci, j'aime bien ce t-shirt. Alors, j'aime pas Gaufre. Du ruff en anglais. Comment expliquer que quand tes cheveux font le tour de ta tête et font ta barbe, c'est pas beau? Parce que lui, il représente ça. Parce que, genre, il a un trou là. Ça veut dire qu'il a des cheveux qui vont jusqu'à là, mais qu'il a un trou là, en plein milieu. C'est très con. Je crois que c'est une chèvre. Dora, elle est très mignonne. Une petite souris blanche de laboratoire comme ça, elle est très très mignonne. Est-ce que Ronnie est un boxeur? Si, actuellement c'est peut-être l'un des meilleurs designs de kangourou dans le jeu.
Mais ouais, en fait, non, c'est pas un kangourou, c'est un. Comment ça s'appelle? Un wapiti. C'est un wapiti, il a pas de poche. C'est un wapiti boxer, j'aime bien. Ok, alors, chose à part. Est-ce que vous voyez les rappeurs des années 2000, genre Diams et tout ça? Ben, je suis persuadée que ce villageois, censé être une rappeur des années 2000, qui a été refait en villageois Animal Crossing, et j'aime beaucoup trop. Elle est la bienvenue sur mon île. J'imagine trop qu'elle fout la merde. Ça, c'est une chèvre russie. Et puis c'est une chèvre violette aussi. Alors, me demandez pas pourquoi une chèvre violette, mais j'aime bien en fait son côté fatigué. Rodéo, Angus en français, il me semble que c'est. Ou un truc comme ça. Il est terrible. Je l'aime beaucoup trop parce que c'est un démon. Genre, il a des yeux rouges comme ça alors qu'il est tout noir. Ses objets, c'est genre des statues. Et c'est le taureau démon, c'est le taureau du mal, c'est le Minotaure. Il est trop bien, je l'aime beaucoup trop. Freya, un loup rose. Alors je l'avais sur la version Pocket Camp, mais j'ai pas d'attachement particulier pour elle. C'est un loup rose, elle existe. Elle doit plaire à pas mal de gens. Moi, ni chaud ni froid. Ok, Bam, j'ai oublié son nom en français que j'avais également sur le jeu. J'aime beaucoup son inspiration parce qu'il est inspiré d'une créature mythique asiatique. Je sais plus si c'est japonaise ou pas. Il est inspiré d'une créature mythique asiatique qui est une espèce de cerf bleu qui marche sur l'eau. Donc en avoir fait un personnage Animal Crossing, ça marche. Et puis il est super aussi. Il est super mignon. Il est trop beau. J'étais pas au courant qu'il existait. C'est un samouraï ou un homme de théâtre. C'est un homme de théâtre. Je sais pas, en fait, je sais pas comment exprimer qu'il est super swag. Mais il est super swag. J'aime beaucoup les villageois à motif, et ça, c'est un villageois à motif Russie. Kabuki en anglais. C'est Kabuki aussi en français. Kabuki, tu es la bienvenue sur l'île quand tu veux. Fais-nous des pièces de théâtre, fais-nous tes représentations, sois un samouraï. On t'offrira une tenue samouraï. Oh, cette grenouille super smug en mode « Je vais ken ce soir. » Par contre, il y a juste un truc qui me dérange. Pourquoi il a un nez? Les grenouilles, ça a pas de nez, ça a pas de pif comme nous. Fang, un loup gris. Loup gris aussi, j'aime bien ses yeux, il est aussi, y a rien à dire. Colton, j'aime bien l'idée que ce soit un personnage de conte de fées, finalement. Que ce soit le cheval blanc de conte de fées. Humphrey est un petit hamster noir, je le trouve très mignon. En fait, je trouve que c'est réussi l'assortiment bleu-noir avec cet œil-là. On dirait vraiment qu'il fait des découvertes tous les jours, toujours, et là, j'en mode oh, c'est incroyable! Cookie, alors je sais que les gens l'aiment bien, je l'aime pas. J'aime pas ses yeux, j'aime pas. Elle est trop kawaii. Pinky est déjà moins violent en termes de kawaii, j'ai moins envie de gerber. Elle peut rester, ça va. Lopez ressemble un peu à Beau, j'étais pas au courant qu'il existait. Il est relativement swag. Hein. J'aime bien les gazelles comme ça, ils ont des cornes et tout, elles sont bien aussi. Salut Luigi et Mario. Portia, j'aime bien l'idée que ce soit un dalmatien. J'aime bien qu'on ait représenté un dalmatien dans le jeu. Après, c'est quoi cette poche genre? Can't say my name. Teddy est beaucoup trop mignon. Pour ceux qui regardent ma BD, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais... Pour ceux qui lisent ma BD... Hey, merci Manu, le pilon. Je vais dire Manu le pilon pour des raisons de censure. J'aime bien Teddy. C'est typiquement le design que tu donnerais à un ours en peluche.
Il est très très mignon et c'est probablement pour ça que ça s'appelle Teddy. Et puis ce petit t-shirt. Ce petit t-shirt trèfle. Comment ne pas craquer? Megumi qui a probablement été retiré du jeu. Et pas de regret pour elle, pas de regret du tout même. Gigi est une chouin. Ok, fait à part, j'aime bien Hopkin parce que c'est littéralement, non, vous le voyez pas, mais derrière il a un truc dans le dos qui montre que c'est un jouet gonflable en fait. Hopkin est littéralement un jouet. Et je trouve que c'est une super addition dans le monde de Animal Crossing. D'avoir un personnage qui soit littéralement un jouet. Ramsès, Lucky en anglais. J'aime ce design. J'aime l'idée que ce soit une momie. Et j'aime surtout l'idée qu'il s'appelle... Genre, en anglais, il s'appelle Lucky, ce qui veut dire qu'il a pas beaucoup de chance, étant donné... que... Voilà, il s'est pété la gueule plusieurs fois. Et Ramsès, en anglais... Et Ramsès en français, pardon. Et Ramsès en français, c'est un clin d'œil au dieu égyptien, le fait qu'il soit une momie, tout ça. J'aime beaucoup. Et faut pas oublier que j'ai appris son petit œil là, il brille la nuit. J'ai une pote qui l'a sur son île et il brille la nuit. J'étais en mode, oh, trop bien. Pourquoi une autruche robot? Snake est un ninja. Snake n'a pas bien choisi sa couleur de fourrure quand même, parce qu'un ninja rose, c'est vrai que c'est peu discret. Twiggy, j'imagine que c'est un peu Titi dans Titi et Gros Minet. Je l'aime bien, c'est un petit canari jaune. Anka, pareil sur le thème de l'Egypte, les chats étaient hyper vénérés en Egypte. Et avoir un chat égyptien, c'est une super bonne idée. Et en plus, son design est super réussi. Rien à dire, 20 sur 20, S-tier. Punchy est un chat que j'aime bien parce qu'il est trop relax. En plus, la ligne de son crâne est égale à la ligne de ses yeux. Et j'aime les trucs géométriques comme ça. Salut à Veto. Et Buck est moche. Déjà, donner à un cheval cette couleur verdâtre. J'espère qu'il n'y a pas d'autres chevaux qui ont une couleur verdâtre. Oh, c'est un papy. C'est un papy loup. Désolé, mais quand on figure les loups, surtout dans Animal Crossing, ou en général, on les figure comme des créatures fortes, etc. Et des trucs trop émo et edgy. Et avoir un loup pépé, c'est beaucoup trop mignon. Sky, je crois que c'est Cloud en français. Un truc comme ça. Très très mignon. Pas mon genre de villageois, mais j'imagine bien qu'il y a des gens qui l'apprécient. Velma, c'est une référence à Velma et qui est Vera de Scooby-Doo. Très aussi. Je trouve que ça marche. Elle est la bienvenue. Reza est une vieille femme ukrainienne. Ou russe, au choix. C'est une vieille femme de l'URSS. Voilà. Rizzo est une vieille femme de l'URSS. C'est tout. Champagne, qui a été retirée du jeu. C'est dommage, hein, parce qu'il est assez marrant. Genre, j'aurais pas fait une pétition pour qu'on le remette. Mais très 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 sympa. Sparrow, j'aime bien. J'aime bien la bande là qui est noire et la bande là qui est marron. Avec un espèce. J'aime bien en fait le motif de ce personnage. Il est réussi. Ça, c'est un pied vert que je veux bien sur l'île. Je suppose que c'est un jouet éléphant comme l'arrosoir rose qu'on peut avoir dans le jeu, l'arrosoir éléphant. Je suppose que c'est un clin d'œil à ça, donc si c'est un clin d'œil à ça, bravo, c'est réussi, on l'a vu. Comment vous faites? Comment les designers d'Animal Crossing font pour rater leur design de panda? Il est moche! Ok, Doc, il est mignon. Ça, c'est un design de lapin plutôt réussi. Il me rappelle un peu Arthur, mais version lapin. Pipi est marrant. Pipi, je ne sais pas. Pépi est marrant, genre il a ce petit côté, c'est un jardinier et tout, voilà. Il a ses petites taches de roussière et tout. Rien à dire. Pourquoi tu as un slip sur la tête? En plus, il s'appelle Stinky, ce qui veut dire pu en anglais. Et si quelqu'un a son nom français, il peut le dire. Mais ah! En vrai, je l'aime bien.
Parce que c'est un loot, c'est genre c'est un catcher ou un truc comme ça, mais le fait qu'il ait un chiffre sur la tête, ça me perturbe. Et aussi, j'ai du mal avec cette couleur, en fait. Vladimir a des plans pour te tuer avec une hache dans ta nuit. Gaston a une moustache beaucoup trop grosse, du coup on voit pas sa bouche. Est-ce que Queenie a des antennes? Queenie est une alien. Raymond, hot take. Alors je trouve que le design de Raymond est réussi, mais le fandom a pété un câble sur ce personnage. Vraiment, ne tapez pas son nom sur internet. Je vous le s'en conjure. Raymond est un design tellement réussi qu'il s'est attiré tout le côté négatif du fandom. Tout le pire. Après, il est le bienvenu sur mon île, hein, y a pas de souci. Moi, je le vois comme... Moi, en fait, je l'imagine que c'est un ancien employé de bureau ou un truc comme ça. Anna, en français, chérie en anglais, était un de mes villageois préférés sur Pocket Camp. Je l'avais sur New Leaf. C'est une des rares sur DS. C'est une des rares villageois que je crois que j'avais sur DS. DS, c'est il y a très longtemps, hein, donc j'essaye de me souvenir, c'est compliqué. Mais j'aime bien son design de lesbienne punk qui serait trop prêt à te défendre contre un groupe de racailles. Petit être canon, je suis sûre qu'elle fréquente Goldie. Diana, Diane en français, je crois. Et... plutôt Russie. Je l'aime relativement bien. Sandy, pourquoi as-tu des antennes sur la tête? Je recommence cette question. C'est une autruche ratée. C'est une grenouille qui a de l'apnée. Ah non, j'ai compris! C'est un crapaud! Ok, c'est un crapaud, ok, ça fait sens. Daisy est très très chou. Daisy, le petit golden retriever bleu et blanc, est très mignonne. Gala, et comment faire un cochon rose de façon réussie, n'est-ce pas, Curly? Ce look est hyper bizarre. Je sais pas quel avis avoir là-dessus, en fait. Ok, Blanche est un parent très très réussi. Le seul problème, c'est qu'elle est arrogante, donc j'en veux pas. Mais le design, c'est un parent blanc, c'est très réussi. Rien à dire. C'est un poulet ninja. C'est un poulet ninja et en plus il est couleur noire et violette, c'est parfait. Vous pouvez ne pas l'aimer, moi je l'aime bien. Christy, je crois que c'est un des personnages idol dans le jeu. Genre c'est une idol ou un truc comme ça. Je suis pas très fan de l'univers K-pop, etc. Et c'est vrai que je suis pas très fan de ce personnage. Mais je peux comprendre qu'on l'apprécie. Francine, du coup, je sais plus son nom en français. L'autre idole de K-pop, etc. Ok, Walker est beaucoup trop mignon juste pour ses yeux bleus et son grand sourire. Il peut venir sur mon Discord si tu veux, il est tellement chou. Il est tellement choupinou. Il est trop bien, hein. Je l'aime trop. Pourquoi il a une flèche qui pointe sur son bébé? Lui, c'est un daron, c'est pas une daronne, c'est sûr. Whitney, white, je crois, en français, ou blanche. Et une villageoise hyper populaire. Elle a été dans le film Animal Crossing. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un film Animal Crossing. Et... elle est très très swag, en fait. Mais d'un côté, tu peux pas te planter quand tu fais un loup blanc. Odie, alors, Odie est un personnage très très amusant. Un jour, une femme relativement vieille a passé plus de 3000 heures sur sa partie Animal Crossing. Ou 300 heures, comme ça, non, je crois que c'est 3000. Elle a passé un temps impressionnant sur Animal Crossing, elle a énormément aussi contribué à la communauté sur Internet. Et pour la remercier, Nintendo a fait un villageois à son image. Je trouve ça très 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 mignon. Et j'imagine qu'elle fréquente Lobo, l'autre vieux villageois. Pearl, j'étais pas au courant qu'il existait, il est assez marrant. Le côté chat avec des taches un peu partout et tout ça, comme dans les chats. Mais je suis un peu perturbée par le fait qu'il n'ait pas de nez.
Mary est un chat qui a beaucoup trop mangé et Mary n'est pas beau. Chef est un chef scout un peu gay. Un peu... voilà. Hey, papi, papi chulo. J'aurais pas dû dire ça. C'est à moitié un cheval, à moitié un zèbre. J'aime bien. Je sais pas s'il y a des mélanges dans le vrai monde de cheval et de zèbre, mais si c'est le cas, c'est réussi. Jérémy en français, Jérémy en anglais est un des villageois que j'ai sur mon île. C'est un petit garçon gourmand. Et je l'aime bien. C'est une grenouille russie. Il est assez standard, mais c'est une grenouille russie. Antoine Daniel sur 20. Moé est un... J'aime... En fait, j'aime bien la tronche de Moé parce que... Il en est tellement moche qu'il en est charmant, quoi. Ses énormes yeux avec des pupilles comme ça. Merde, comme ça. Oh mon dieu. Je suis désolée, n'interprétez pas bien mes gestes. Gros yeux, pupilles comme ça, avec des dents en avant. On dirait qu'il fait du skateboard, mais qu'il s'est beaucoup trop éclaté la tronche sur le parquet, quand même. Ça, c'est un oiseau vraiment stylé. Je ne sais pas quelle espèce elle est censée représenter, mais c'est très réussi, je l'aime beaucoup. Je la trouve très swag. Et puis elle a vraiment des pattes... Même les pattes, elles ont été un peu remodélisées, quoi. Midzi, c'est fait amusant. J'ai un ami un jour qui m'a confié que Midzi, quand il était petit, c'était son crush. Et du coup, j'arrive pas à voir ce personnage normalement. J'ai l'impression que ce personnage a été en plus le crush de plusieurs personnes avec le temps. Sur Animal Crossing GameCube. Cranston, j'aime bien. En fait, j'aime bien le fait qu'il ait ce petit masque et ce petit bec rouge et qu'il porte la... Je l'aime bien. Phoebe, j'aime beaucoup Phoebe, en fait. Parce que elle est rock dans Pocket Camp. Dans New Horizon, l'intérieur de sa maison est en feu. Littéralement. Et elle porte les couleurs de Lidl. Ouais, réfléchissez-y. Autant que vous voulez, elle porte les couleurs de Lidl. Salut, Emily2702. Attends, tu t'es pas déjà là tout à l'heure, quoi? Chip est un singe. Est un singe. Wow. Ça, c'est un singe. Et moi, j'ai vraiment besoin de dormir, des fois. Non, plus sérieusement. C'est un chien. On refait la prise, ok? On oublie que j'ai dit que c'était un singe. On va partir. Du coup, Chip est un chien de berger avec des cheveux devant les yeux, ce qui le rend beaucoup trop mignon. Et ça lui donne ce petit côté hippie en balade. Il fait très hippie des années 70. J'aime bien. Gabi, qu'est-ce que je peux penser? On dirait le pote d'Arthur un peu. Dans la série animée Arthur, la vieille série. Et son pote le lapin. Comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié. Mais ouais, on dirait beaucoup le pote d'Arthur. Felicity est... très standard. Savannah est un zèbre, j'aime bien l'idée. Ed, non. Alors, Poco, je suppose que ça se dit comme ça, est un villageois supprimé, et bon, sa tête est extrêmement déformée. Sa tête est un peu déformée. Mais après, les motifs sur son visage sont mignons. Je comprends qu'il soit pas resté, cependant, il a été remplacé par des villageois beaucoup mieux faits. J'aime pas du tout ses yeux. J'ai l'impression qu'elle regarde à l'intérieur de mon âme. Elle s'appelle Bone et c'est un chien. Vous avez compris? Non, après, pour un chien, elle est mignon, mais par contre, ça regarde... Tu renvoies le ballon, tu renvoies le ballon, tu renvoies le ballon! Je parie tout ce que vous voulez que Pashmina, la chèvre qui est devant vos yeux, est arrogante. Je vois même... En fait, j'ai du mal à commenter quelque chose, là, sur Bonbon. Genre, je l'aime et je l'aime pas en même temps. Ouf. Oh mon dieu.
Ok, tout à l'heure, c'était. Quand je disais que ce personnage était une pute ou un truc comme ça, c'était une blague. Je pensais pas qu'il y avait littéralement une prostituée dans Animal Crossing. Donc, entre le rouge à lèvres, la tenue de servante et le porte-jartel, vous avez modélisé un personnage pour vous, en fait, finalement. Sorte de pute, c'était une blague. Alors, Tom, c'est un chat, il est sympa. C'est clairement pas mon chat préféré. Alors, Peach est morte. C'est tout ce que j'aurais à dire. Vous souvenez un peu plus tôt, je disais que j'espérais qu'il n'y aurait pas d'autre cheval avec une couleur vert cacadois? Ben, il s'avère que je m'étais trompée. Du coup, j'ai une de mes bonnes amies qui est là sur son île d'ailleurs. Je n'ai pas du tout envie de la voir. Elle se prend pour une starlette alors que c'est un âne couleur cacadois avec une étoile sur le front. Une étoile en plastique sur le front. Non, je l'aime pas. Kit Kat, Power Ranger rouge, je l'aime bien, c'est un Super Sentai. Et tous les personnages Super Sentai ont une place particulière dans mon cœur, surtout que celui-là, c'est le mieux designé. Il est là, alors, j'ai genre d'âge en mode, je suis un héros! Est-ce Elmer a l'air défoncé, il est en pleine redescente, ça va pas du tout. Emerald, qui a aussi été retiré, est également une rainette verte. Et lui aussi ressemble à Froggy Chair, étrangement. En fait, je pense que Nintendo, théorie. Je pense que Nintendo a décidé qu'on ne devait pas se souvenir de la chaise grenouille et de la Froggy Chair, etc. Et a essayé d'effacer toute preuve de son existence, y compris les villageois qui ressemblent. Raddle est préparé pour le coronavirus. Il s'agit d'un docteur, il est très important sur votre île. Pensez à l'applaudir à 20h. Oh. Barold. Et peut-être encore plus moche que Moose finalement. Barold a peut-être le prix d'être le personnage le plus moche. Tu peux le répondre car STP car tu ne me vois pas. Répondre à quoi? C'est la vraie question. Je ne vois pas de questions. Et du coup, la meuf s'appelle. Le LAN de tout à l'heure s'appelait Anne, donc est très bien. Du coup, Barold est le personnage le plus moche du jeu. Vraiment. J'ai envie de faire une cagnotte litchi pour qu'on lui paye une chirurgie esthétique. Ah, je prévois de tuer mon ennemi. Non, j'ai mieux. Ah, je vais m'emparer de la fortune de Tom Nook. Et ainsi, ce sera moi la femme la plus riche de l'île. Tutu est trop mignonne. En fait, elle est beaucoup trop mignonne à cause de ça. C'est genre, vas-y, tu peux le faire. Et aussi, elle a un t-shirt cœur, c'est beaucoup trop message. Alors, je dis les noms anglais parce que j'ai pas tous les noms français, mais j'ai réussi à avoir tous les noms anglais. Donc, je dis les noms anglais. Bill, on a déjà fait. Monique. Attends. Quoi? Il y a deux putes? Pardon, hein. Mais ça, c'est une chouin. Pardon, Nintendo, mais vous n'aviez pas le droit. Vous n'aviez pas le droit de faire ce personnage. Ted est une grenouille qui peut être plus grenouille que grenouille. C'est vraiment une très grande grenouille. C'est une super grenouille. Ok, non. Cole est sympa. Il a l'air traumatisé par ce que vous venez de lui dire. Il est genre, oh, c'est vrai, le Père Noël, il n'existe pas? Dottie est un personnage qui est là depuis un moment, il me semble. Je l'aime relativement bien. J'aime bien le fait que son visage soit vraiment divisé en deux, quoi. Genre, Dottie est parfaitement symétrique, voyez-vous. Yeah. Rudy, rudimentaire, en effet, comme design. Non, plus sérieusement, Rudy, j'aime pas ses yeux en fait. Genre, son corps ça va, mais ses yeux c'est genre. Genji est un ninja aussi, hein, je pense, ou un petit garçon asiatique. Je pense que c'est un ninja en vrai. Je
crois qu'il est sportif dans le jeu. Genji, le ninja. On a des ninjas et on a des samouraïs. Hein. Opal, on l'a pas déjà fait, Opal? Mais... Plucky doit être nouvelle. Bah c'est le poulet que j'aime le moins, je crois. Hein. Et les poulets, c'est parce qu'ils ont l'avantage de me faire marrer. Chérie, on l'a déjà fait. Alors, Edge, je sais qu'il y a sa sœur dans le jeu. C'est trop mignon. Elle, c'est une chèvre et elle a une sœur chèvre dans le jeu. Et si tu as sa maison, bah, y a la photo de sa sœur chez elle. Tu trouves ça? Eh, je donne mon avis. Surtout que moi, je suis un peu vulgaire en termes de langage. Je le noterai très vite. Et aussi, je retiens pas tous les noms des villageois. Matteo, c'est qui? Fait une description assez longue parce que... Je viens de faire 400 villageois environ et c'est vrai que retenir tout le monde, c'est terrible. Mais oui, elle est trop mignonne parce qu'elle a sa sœur dans le jeu et elle a trop de respect pour sa sœur. Ben voilà, ben c'est sa sœur. Elle et elle sont sœurs et je trouve ça trop mignon. Et je trouve que ça va trop bien dans le jeu. Rien de plus à dire. Julien est une licorne. Et rien que pour ça, respect. Ok, alors, on peut dire ce qu'on veut. Coco est un personnage génial. Coco est S-tier. Coco est un gyroïde en forme de lapin qui est devenu villageois et qui a pris vie. Et étant donné la place de gyroïde dans le jeu, Coco est hyper importante et Coco mérite d'être aimé. Cœur sur Coco. Ruby est vraiment ce qu'on appelle un lapin aux yeux rouges. Il est un peu flippant et j'aime ça. Je vais parier tout ce que vous voulez que Piper est Snooty. C'est tout. Et comme j'aime pas les villageois arrogants, ben ce sera nous. Ok. J'aime beaucoup Kiki. Déjà parce que le nom Kiki, ça fait référence à Kiki la petite sorcière. Mais aussi parce que c'est un chat noir. Et j'adore les chats noirs. Marshall, en effet. J'ai dit que j'ai... Pour résumer ce que j'ai dit plus tôt. Marshall est un villageois que j'aime bien. Je trouve que son design est réussi. Après, c'est un personnage hyper populaire, donc je vais pas courir après. Quoi. Je vais pas m'expliquer 300 ans. Tout le monde sait... Ça se voit pourquoi il est hyper populaire. Il y a des raisons. Sinon, Kiki, j'aime beaucoup l'idée que ce soit un chat noir, que ce soit un peu un personnage... C'est... Mon lore, c'est que c'est une sorcière, mais une gentille sorcière. Loli est un chat russi. Je dirais même plutôt aussi. C'est un chat tigré aussi, y a rien de plus à ajouter. Roscoe est cool. Roscoe, c'est un motard. Roscoe, c'est Uber Félix Stéphane, mais version villageois finalement. Je vais arrêter de faire des blagues sur les prostituées. Parce qu'en vérité, elles ressemblent pas trop, ça va. C'est un villageois. En fait, c'est. Je l'aime bien. Parce que même si elle est hyper féminine, hyper maquille, etc., qu'elle a même le petit bouton et tout ça, je trouve que ça marche. Je trouve que ça marche avec son design. Elle est pas exagérée, elle fonctionne. Et je crois que c'était... En effet, c'était la dernière. Donc, je n'avais pas remarqué qu'on voyait mon écran dépasser en bas. C'est super. Voici mon avis sur les 480 villageois d'Animal Crossing. Je ferai peut-être une rediff de cet épisode sur YouTube, mais pas tout de suite. Parce que j'ai d'autres choses à faire, genre des animations, beaucoup. J'ai le cerveau comme ça, parce que enchaîner les 480 personnages, au bout d'un moment, tu les vois plus vraiment, tu vois que des formes géométriques, c'était une très mauvaise idée de faire ça maintenant. J'ai le sentiment qu'il y a un décalage entre le micro et l'image. Yes. Ah. Ouais, il y a un décalage entre le micro et l'image. Je sais pas depuis combien de temps je suis décalée. Mais oui. En effet... C'est pas une bonne idée de faire des 480 personnages d'un coup, je ne le recommande pas.
Donc sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai... J'ai des messages très chelous sur le côté, je suis désolée. Apparemment, mon live s'était déconnecté, donc bon, bah c'était la fin du live. Donc sur ce, je vous laisse. A plus, au prochain live, je ne sais pas quand il se fera, donc allez sur mon Discord pour savoir quand il se fera. Bye!